Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live show numéro 205 sur Amix Réflexion. C'est la grande rentrée pour nous, la grande rentrée des lives, même si on a bossé comme des fous cet été, en espérant devenir riche un jour avec mon acolyte Blaise. On va en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, on est super content de vous retrouver. Je vois que tout le monde est chaud. Il y a déjà eu des commentaires alors qu'on était hors ligne. On a eu le temps d'en lire quelques-uns. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir tout le monde sous forme digitale. Et ce week-end, on sera du côté du Kenny Festival pour nous. On est en plein préparatif. On va partir demain pour passer un gros, gros week-end à Régade, comme chaque année. Et cette année, on va bosser. On sera très présent dans le village partenaire. On va bosser pour de la vidéo et les réseaux sociaux de la marque Up Design Moto, qui a un stand juste à côté de Soub, puisque c'est un des sponsors principaux de Souberas. Donc, on se retrouvera là-bas, si vous voulez boire une bière. Il y aura une tireuse, il y aura de la bonne charcuterie, du bon fromage. Donc, venez nous voir au Kenny Festival. On sera présent à partir de demain soir. Pendant le Kenny Festival, moi, je vais faire la rando, enduro, le dimanche. Et Blaise Abadi va faire le motocross. Les courses, c'est samedi et dimanche, normalement. Mais bon, il a un contrat samedi only depuis quelques années. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et cette année, je ne sais même pas si tu vas pas faire que samedi matin, Blaise, vu ton niveau d'entraînement. Bonsoir à tous, ça va très bien de mon côté et ça fait plaisir de retrouver tout le monde. On a fait cette petite pause estivale et on a l'impression, nous en France en tout cas, je sais pas comment ça se passe du côté des États-Unis, mais en tout cas nous en France c'est l'été à partir du mois de septembre. Il fait 35 degrés à partir depuis la semaine dernière, donc c'est bien en tout cas, on en profite et comme tu as dit, un gros été on va dire pour MX Réflexion. Mais voilà, j'espère que notre invité est en forme. Il a l'air en forme, on va le questionner pas mal d'ailleurs, Nico. Ouais, petite adaptation hein, dans ce live. Tu nous as concocté un nouveau concept, Blaise, c'est toi qui vas lancer l'intro. Ouais, exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite intro pour David, beaucoup de monde qui le connaît, mais on va poser une suite de 5-6 questions, David. Et allez, on attaque direct. David, est-ce que tu peux nous dire ton nom, prénom et ton âge, s'il te plaît? Parce que tu vois, nom, prénom, tout le monde le connaît, mais ton âge, c'est vrai que pas grand monde le connaît. Il paraît qu'il faut pas demander l'âge des gens. Le jour où on a une femme, on le dira pas. Tu vois, mais on est au jour de l'inclusion, de l'equality, donc de l'équité des sexes. Tu vois, donc on le dira aussi aux femmes. Du coup. J'ai David Vuhlemann, 45 ans. Lieu de naissance. Lieu de naissance, Berlétan. Hein. Et ta profession actuelle? Rentier. C'est bien, c'est une belle profession. Ouais. Ouais, c'est retraité plus du coup. Situation ouais. Familiale. C'est compliqué. Sur Facebook avant, on pouvait mettre c'est compliqué. C'est pas compliqué, divorcé et officiellement célibataire. Hein. D'accord. Ton revenu annuel. Ouf, impossible de savoir. Je pourrais pas te dire. C'est dans les 6 chiffres, facile, mais. C'est trop compliqué parce que j'ai pas de salaire, donc ça dépend de la bourse. Je sais ce que je me paye moi pour bouffer, mais avec les, comment on dit, les investissements et tout, ça dépend des années, quoi. Ça dépend des années. Et puis en plus, je les récupère pas parce que ça réinvestit. Donc vraiment impossible de savoir, mais bon, dans les 6 chiffres. Ça, c'est une question, tu vois. Vas-y, Nico. Parce que... ouais, pour bouffer, pour vivre, du coup, combien il te faut, toi? J'habite en Californie, donc. Quand déjà. C'est dur de comprendre parce que ça coûte hyper cher ici. D'accord? Déjà, rien que pour mon assurance santé, c'est 7 000 $ par an. Tu vois? J'ai 12 000 $ de taxes foncières, donc déjà tu es à 20 000, tu vois. L'assurance de la maison, c'est 3 000 $. L'assurance de la voiture de mon fils et moi, c'est 2 000 $ tous les 6 mois, donc c'est 4 000. Il te faut des ronds. Il te faut des ronds juste pour vivre, manger et rien faire. Et là, tu n'es pas allé au casino jouer au poker encore. Tu vois, donc moi je me paye et moi j'ai pas de crédit, tu vois, donc j'ai aucun crédit. Moi je me paye 6 000 $ par mois juste pour ce que j'ai à payer, tout ça. Et en fin d'année, parce que la taxe de propriété,
C'est 10-12 000 dans le pan, donc il faut les payer en décembre. Tu sais, ou décembre, en deux fois, mi-décembre, mi-avril. Moi, je les paye d'un coup en décembre. Donc, en fait, quand tu arrives mi-décembre, la plupart du temps, tu n'as pas 12 000 sur le compte. Donc, il faut appeler le banquier et dire, oh, chef, mets-moi un peu des ronds parce qu'il faut que je paye ma taxe de propriété. Et donc, c'est le dernier gros truc à payer, si tu veux, aux États-Unis, c'est ta taxe de propriété. Et après, ça dépend aussi des investissements, ce qu'ils ont fait, enfin, les conseillers financiers, les machins, ce qu'ils font. S'ils vendent de trop, si tu vends trop d'actions et tout ça et que tu réinvestis, là, tu prends des capital gains, comme on dit en français, des plus-values, si tu vois. Et en fait, nous, on paye les impôts tous les trois mois ici. On fait des estimations, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est des estimated taxes. Donc, tu payes tes impôts par rapport à ce que tu as gagné l'année d'avant, tous les trois mois. Donc, tu provisionnes, si tu veux. Et à la fin de la... Et avant le 15 avril, donc en début d'année, quand tu reçois tous tes papiers, machin, tout ce que tu as gagné, tu régularises avant le 15 avril, si tu veux. Donc, si ton conseiller financier ou tes mecs qui s'occupent les mecs qui s'occupent de mes intérêts, la bourse a flambé, si tu veux, et qu'ils ont vendu, donc tu vas peut-être devoir payer plus d'impôts parce que tu as gagné plus d'argent. Et si tu veux, ça change beaucoup d'année en année. Et là, c'est pareil. Donc, des fois, tu arrives avant le 15 avril, il faut rappeler pour qu'ils virent un peu des ronds parce qu'il faut payer les impôts. Il faut renflouer. C'est compliqué, les gars. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez vraiment pas idée combien ça coûte d'habiter, surtout en Californie, parce que c'est un des États qui, avec l'État de New York et l'État de Californie, c'est un des États où on se fait violer, quoi, si tu veux. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette suite de questions, on va la poser à tous nos invités. Et j'ai l'impression que les invités comme toi qui viennent des États-Unis ont peut-être culturellement plus la facilité de parler des revenus annuels qu'en France. Non, mais oui. Moi, sincèrement, je m'en branle. Après, tu peux me demander ce que j'ai gagné il y a 20 ans chez Yam. Je te le dis, je m'en fous. Je veux dire, c'est pas... En France, c'est vrai que l'argent, ça... c'est un problème de mœurs, si tu veux. Enfin, on a du mal d'en parler et ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été. Tout le monde est un peu. Qui cache un peu ce qu'il gagne. Ou il y en a qui disent qu'ils gagnent plus que ce qu'ils gagnent. Il y en a qui font les beaux alors qu'ils n'ont pas un rang. Mais sincèrement, les gars, là, je fais un peu le pleureur, si tu veux. Mais ça va, tout va bien, vous inquiétez pas. Bon, t'inquiète, c'est dit, il va répondre en 30 secondes, ça fait 5 minutes. Je suis pas à plaindre. Bon, Nico. Il reste une petite question. Ouais. Il reste juste une petite question pour cette rubrique. Après, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant motocross, supercross, MXDN et toutes les questions que vous êtes en train de nous poser. Triomphe même, on va parler même de Triomphe, qui on m'avait dit ça un jour. J'aurais demandé à ce qu'on me fasse enfermer. Mais bon, ce n'est pas le sujet du moment. Petite page de pub que je vous fais en direct, c'est que tout simplement, on sponsorise nous-mêmes notre live. Vous le savez, on a la boîte MX Réflexion. C'est de la com, tout simplement. On fait la gestion de réseaux sociaux, de la vidéo, de la création de sites internet, tout ce qui touche au digital. Aussi de la formation pour Blaise. Aujourd'hui, on va mettre en avant la partie gestion de réseaux sociaux, community management. On fait ça pour pas mal de sociétés. On va le faire notamment ce week-end au Kenny Festival. Pour pas mal de nos clients et si vous souhaitez faire appel à nous, si vous connaissez des entreprises qui ont des besoins de digitalisation, faites appel à nous, tout simplement, vous nous connaissez, vous savez qu'on est sérieux, ça fait 205 fois que vous nous voyez en direct et vous voyez bien que on est des hommes à marier, comme on dit, mais dans le milieu du boulot, c'est pas tout à fait pareil. Allez, tout simplement, tout ça pour te demander, David, combien de temps tu passes sur ton téléphone chaque jour On peut le voir maintenant sur les iPhones. Ah ouais, c'est vrai, mais moi, je suis pas très tech, moi. Tu sais, je comprends pas grand-chose là-dessus. Bien 2-3 heures, à mon avis. 2 heures, je pense. À mon avis, facile, ouais. C'est plus pour des conneries comme on boit toute la journée, là.
avoir des trucs, des mecs qui se rétament la gueule en moto, là, des par-devant. Ça, j'en reçois plein tous les jours, évidemment. Et puis après, c'est le problème du téléphone, si tu veux. C'est une spirale. Donc, dès que tu regardes un truc, et après tu scrolles, tu as un autre truc, oh putain, c'est cool ça. Et d'un coup, tu rentres dans les. Et le pire pour moi, c'est YouTube, si tu veux. Si tu regardes un petit truc, genre un documentaire, une vidéo d'un truc un peu intéressant, et après, tu as toutes les suggestions de vidéos, et là, tu rentres dans un. On appelle ça en anglais un trou de lapin, un rabbit hole. Donc, tu rentres dans un trou de lapin et tu n'en sors plus en fait. Tu es dedans et si tu n'as pas grand-chose à faire de ta journée, comme c'est le cas souvent avec moi, ben là, tu passes du temps. Mais ouais, je pense, ouais, 2, 3 heures, facile à mon avis, hein. Facile, facile, hein. En parlant de tes journées, du coup, maintenant, comment tu gères tes journées? Tu fais quoi actuellement? Est-ce que tu es encore dans le coaching? Est-ce que tu voilà, est-ce que tu fais autre chose? Tu nous avais parlé la dernière fois que tu t'occupais beaucoup de ton fils au niveau du basket. Est-ce que ça a dû évoluer? Comment ça se passe pour toi? En fait, avec mon fils, le basket, donc il est à l'université, donc là il est rentré. Maintenant il a changé. Il était vers Chicago là pendant un an et là ça l'a gavé. Donc il est à l'université à San Diego et donc il fait du basket. Il a un appart avec deux potes. C'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres là-bas, à mon avis. Donc il s'entraîne à l'école maintenant. Mais quand c'est l'été, donc tu vois, cet été, il est à la maison, il joue au basket tous les jours. Hein. Donc il fait de la muscu et du basket tous les jours. Et là, j'allais à la salle avec lui parce que quand il fait ses entraînements, il faut quelqu'un il lui faut un ramasseur de balles, tu vois. Sinon, c'est casse-couille de jouer au basket. Tu vois, si tu tires, qu'il faut aller chercher le ballon, se repositionner. Et comme il faut beaucoup de répétitions, donc il demande à des potes d'aller avec lui, mais la plupart du temps, je vais avec lui et je fais le ramasseur de balles, quoi, tu vois, je l'entraîne. Et puis, j'ai pas vraiment de notion, je ne suis pas coach de basket, mais je vois un peu des fois s'il a un poil de défaut. Donc, je lui donne des conseils, mais des fois, je ne suis pas trop sûr. Tu vois, donc, je ne maîtrise pas, ce n'est pas mon truc. Donc, je lui dis, oh, c'est bizarre que tu fasses ça, tu vois. Donc, en fait, c'est plus une discussion. Et il me dit, ah ouais, peut-être que c'est ça. Donc, il y a du coaching là-dessus. Après, il me demande d'aller faire, quand il veut faire de la plyo, tu sais, de la pliométrie en muscu, ça, c'est des trucs qu'ils font pas trop. Et il trouve que quand il fait ça avec moi, il se sent mieux. Donc, des fois, il me dit, oh, papa, tu peux pas venir, on va faire une heure de plyo, on va à la salle. Donc ici, c'est bien parce que les salles de muscu, elles sont énormes. Tu as deux cours de basket. Et si tu vas le soir, fin le soir, vers 3, 4, 5 heures, il y a tellement de monde qui font des matchs, si tu veux. Un peu comme moi, quand j'étais minot, que j'allais, on appelait ça un terrain blanc. Il y avait un terrain blanc avec des cages de foot chez nous, là. Tu allais le soir, tout le monde jouait au foot et on faisait des matchs. Donc, tu vois. Et là, c'est pareil, ils font ça, ils font des matchs, ils font des matchs jusqu'à 15 points. Et après, tu as une autre équipe qui rentre, celui qui gagne, il reste quoi. C'est un D'accord. peu. Et en fait, les joueurs de basket, même les pros, ils font ça. Bon, ils font ça avec des pros de n'importe quelle équipe, mais l'été, ils appellent ça open runs. Open runs, c'est tu vas sur un cours de basket. Tu fais des équipes, moi je prends lui, tac tac, 5 contre 5, boum, et il joue toute la journée pour faire de la répétition. Donc, ouais, je fais ça avec mon fils. Bon, c'est plus l'été quand il n'y a pas d'école, parce que quand il y a l'école, il est avec eux. Sinon, moi je fais pas grand chose, les gars, pas de coaching moto, c'est fini depuis que Marvin s'est blessé. Donc, je suis fan. T'en as en vue pour des coachings Non, à venir, des personnes qui sont non. intéressées par travailler avec toi, non? Non, normalement. Ben, tu vois, là, on est le 7 septembre. Là, tu vois, normalement, c'est le téléphone, il commence à sonner en septembre. Tu vois, c'est un Ça va peu arriver là. parce que tout le monde commence à se préparer début octobre. Tout le monde, les contrats changent début
octobre, les mecs ont une nouvelle moto, ils commencent le testing sur le en SX. Et c'est là où les mecs, ben, ils veulent changer un peu de crèmerie en ce qui concerne le coaching. Mais non, là, c'est calme plat, il n'y a pas grand-chose. Ouais, est-ce que tu penses que ça vient du fait que tu n'as pas été trop présent sur les épreuves, du coup? Trop présent, ouais. J'ai fait que la première en AM cette année. Tu n'as pas été voir d'autres Supercross ou outdoor, je pense pas non plus. Ouais. Non, parce qu'en fait, je sais que même si je ne vais pas aux courses, la course, elle va avoir lieu, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut qu'ils soient là-bas. Parce qu'ils pensent que s'ils n'y vont pas, la grille, elle ne va pas tomber, tu vois. Il y aura... Donc, moi, je ne suis pas, je suis pas indispensable. Je vais aux courses, j'adore regarder en live à la télé et j'aime pas y aller parce que, un, tu vois pas grand-chose. C'est saoulant, quoi. C'est saoulant dans le fait que, de toute façon, il n'y a que 2-3 courses à côté de la maison. C'est loin, il faut prendre l'avion. C'est compliqué, quoi. Que là, maintenant, tout est en live. Tu te mets tranquille samedi et tu te mets sur Peacock, là. Tac, pas de pub, rien. Mais en route. En plus, le cross, c'est top, j'adore, parce que bon, c'est long, il y a du truc à voir. En fait, pour les puristes, je pense que le MX, c'est quand même top, quoi. Tu vois, tu regardes avec le son ou tu coupes le son des commentateurs? Ça dépend. Un peu moins maintenant, parce que bon, Stewart, il est cool, tu vois. Quand il y a Stewart, j'aime bien. Ricky, il est fatigant, quoi. Tu vois, il est trop... Enfin, il est fatigant. Et puis, il n'est pas très, comment on dit, il t'apprend pas grand-chose, quoi. Ses avis sont bizarres, alors que c'est le meilleur de tous les temps. Il pourrait le faire. Il pourrait nous donner tellement d'infos, d'anecdotes, ce qu'il faisait ou comment il se préparait. Enfin, plein de trucs que les gens ne savent pas parce que, bon, tu t'entraînes en vase clos, quoi. Personne n'a jamais trop vu ce qu'il faisait et tout ça. Alors que Stewart est plus open, quoi. Tu vois, il est plus ouvert, il te raconte des conneries, il est rigolo, quoi. Et puis il est pertinent. Mais quand je regardais beaucoup en mute, comment on dit en mute en français, sans son. Sans le son. Ouais. C'est quand il y avait Amy, Gellot, le Ralph là. Là oui, c'était un coup sur deux, ils sont fatigués. C'est bon. Le mec il dit. La Suzuki jaune et la Yamaha bleue, il disait ça toute la journée. C'est fatigant. C'est un peu évolué à ce niveau-là quand même. Ouais, c'est mieux, là ça va. C'est juste que Ricky, il est vachement… Ricky, c'est une pancarte de pub sur l'autoroute, tu vois. Donc, il est trop impliqué dans le truc et donc, il ne peut pas trop froisser trop de monde. Tu vois, il est quand même assez politiquement très correct, quoi. Que James, lui, il s'en fout un peu. Donc, il va te dire, il va être un peu plus pertinent. C'est ce qui aide, quoi. Et quand tu as trop d'intérêt dans le truc, c'est compliqué d'être… Ouais, parce que Carmichael a parfois le rôle du… comment on dit play, c'est quoi, fait le gars qui annonce un petit peu comme Widge, comme le dit Richard Rango. Richard Rango, ouais. Il est top. Sincèrement, moi, c'est un annonceur, quoi. C'est pas lui qui va pousser les analyses. C'est le commentateur. Nous, on appelle ça, enfin, le commentateur normal qui a pas fait de moto, quoi. C'est le commentateur. Et après, tu as le color commentateur. On appelle ça. Et ça, c'est Stewart, c'est Carmichael, tout ça. Moi, j'adorais Langston. Tu vois, je trouvais que Langston était très bon. J'ai trouvé que l'action est très bon. J'adore Daniel Blair par exemple. Tu vois, tu mets Widge et Daniel Blair en SX, top du top. Toi, du coup, cette saison, on va dire, aller plutôt outdoor parce que ça vient de se terminer. Tu l'analyses comment avec la domination de Jet Lawrence? Tu vois ça comment? Parce que, tu dois voir les choses différemment quand tu es quand même sur les épreuves parce que tu as les bruits de paddock, tu as tout ça. Est-ce que tu es encore toi au milieu de ces bruits de paddock quand même, même si tu ne vas pas sur les épreuves?
Les bruits de paddock, c'est pour les groupies, quoi. C'est pour les mecs qui se connectent sur le site et qui regardent tout, machin, et qui Moi, je parlais bruit de follow. paddock, ouais, dans le sens plutôt tout ce qui est blessure. Est-ce que le pilote est en forme? Tu vois, plutôt ça, en fait. Parce qu'on a eu pas mal de retours de blessures. C'était plutôt dans ce sens-là, moi, les bruits de paddock. Ouais, oui, mais tu sais jamais. Tu sais jamais. Ouais, tu sais jamais à 100%. Surtout dans des. Dans ce sport, c'est la folie. Tout est secret. Dans les autres sports, et ça, c'est dû au pari sportif. Tu vois, par exemple, aux US, en basket, tous les gros sports, tu sais si les mecs ils sont blessés, ce qu'ils ont, s'ils vont jouer, s'ils sont, peut-être que ça va pas parce qu'ils ont une entorse à la cheville. Ça, tu le sais parce que c'est légalement, il faut qu'ils le disent par rapport au pari sportif. Tu vois? Nous, alors tu sais jamais. Tu sais pas si l'autre il a un tibia pété ou si juste il s'est retourné un ongle, quoi. Et tu sais pas en fait exactement ce qu'ils ont, les mecs. Tu sais pas ce qui se passe, tout est secret. On sait combien LeBron James gagne et Mbappé et Ronaldo. Mais nous, si on demande combien gagne Jet Lawrence, oh là là, non, 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 on n'a pas le droit de le dire, tu vois. Alors qu'il gagne, c'est une fraction, quoi. Donc c'est vrai que notre sport là-dessus, c'est quand même assez bizarre et très secret. Et je vois pas pourquoi. Pourquoi tu gardes secret? Je veux dire, les motos, c'est fou parce que la technologie des motos, elle a 100 ans presque. Il y a rien de neuf. On a mis l'injection depuis 15 ans. Alors que l'injection, ça fait 60 ans que ça existe dans la voiture. Tout le monde croit que tout est secret et tout. Alors qu'une moto, technologiquement, tu vois, c'est pas SpaceX, quoi. Tu vois. Donc, ce que j'analyse la saison MX, c'est que enfin, on voit Jet qui enfin utilise une moto comme il faut l'utiliser, quoi. Surtout une 4,5, tu vois. Rester sur le couple, au bon régime moteur, passer des vitesses, rouler debout, se laisser aller, pas freiner fort, pas accélérer fort, rouler avec l'élan, je veux dire, voilà quoi. Voilà quoi, il n'y a pas de. Il fait ce qu'il faut faire, quoi, par rapport aux autres. Tu vois. Après, les autres mecs, après. Ils restent toujours dans leur style. Les pilotes ne changent pas, donc ils ont toujours leurs défauts. Donc, si ça fait 15 ans qu'ils roulent, ça fait 15 ans qu'ils ont les mêmes défauts. Et si ça fait 5 ans, ben ça fait 5 ans. Barcia ne roulera jamais comme Evertz, et vice-versa, quoi. Tu vois, on les connaît, quoi. Les pilotes ne changent pas entre un mois d'hiver ou ne changent pas entre une saison de STX et de MX. Mais c'est vrai que c'était top. Moi, je trouve que Jet a fait des courses magnifiques. J'ai trouvé ça. Et en fait, quand je regarde, je dis putain, mais voilà, enfin quelqu'un. Et je sais pas. De toute façon, vous suivez quand même un peu tout. Je pense que vous avez dû écouter tout ce que j'ai dit depuis que j'ai arrêté ma carrière, parce que j'ai été quand même assez présent dans les médias à raconter des conneries et tu vois. Et je l'ai souvent dit. Hein. Ouais, ce que, en fait, c'est ce que je voulais J'ai te dire, c'était que décrit t'as Jet toujours été Lawrence partisan. depuis 10 ans. Je décris Jet Lawrence. Comment il faut rouler avec une 4,5 et ce qu'il faut faire. Et en fait, voilà, c'est Jet. Maintenant, on le sait. Maintenant, vous avez la preuve par l'image. Et on l'a vu un peu parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui qu'on a vu que. L'éclosion de Jet, c'était Roxanne en fait qui roulait le mieux, qui utilisait une 4,5 le mieux, que ce soit SX ou MX, en termes de. Pour moi, c'était le meilleur, c'était pas le meilleur pilote parce que bon, il n'a pas le meilleur palmarès, mais c'est le meilleur utilisateur d'une 4,5 jusque Pala Fox Raceway en 2023. Pour moi. Et maintenant, c'est l'éclosion de Jet. Et on peut dire que maintenant, Jet, à 20 balais,
c'est le pilote qui utilise une 4,5 le mieux de l'histoire, alors que ça fait que 3 ou 4 mois qu'il est dessus. Tu vois. Sexton, tu trouves ça, pas aussi Sexton, parce que Sexton, il est plus limite, mais il a quand même un style de pilotage qui est aussi fluide, qui ressemble quand même à celui de Jet, je trouve. Oui, mais beaucoup moins cette année. Parce qu'il Sexton, est plus à la limite, au final. Non, Sexton, c'est intéressant. C'était intéressant quand il est monté en 4,5, donc il y a 2-3 ans. C'est en quelle année qu'il est monté? C'était en 21, non? C'est la même année que Dylan, c'est ça? Donc, oui. 2021. Oui. Bon, il a beaucoup chuté, il était en tête de course, il chutait, enfin, il est toujours un peu... Là-dessus, il n'a pas du tout changé. En termes de pilotage, il y a 2 ans, ben, je trouvais que, voilà, que c'était fluide, que c'était, ça ressemblait un peu à ce que fait Jet aujourd'hui, en un peu moins efficace. Mais depuis, le fait qu'il... qu'il a le gros morceau de Tomac à battre, notre ami Chase Sexton, il commence à rouler beaucoup plus en force maintenant. Il roule beaucoup plus en force. On voit qu'il a pris, du muscle. Il a pas grossi, mais il a pris de la masse. Et on voit qu'il maintenant il tord la poignée et en fait il s'y prend un peu à l'envers. Par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait, pour moi, il y avait de l'idée. Et maintenant, il est parti de... Il a laissé tomber là et il est beaucoup plus physique et beaucoup plus agressif dans le pilotage et il saurait la poignée plus que de penser à rouler bien. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez ça, mais bon, c'est un peu ce que je pense. Après, est-ce que c'est pas aussi le phénomène Tomac qui, on se dit, tu vois, toi, tu dis depuis des années que c'est la technique qui prime, c'est comme ça qu'il faut piloter une 450, mais pourtant, on a eu des pilotes comme Carmichael, même Tortelli, quand on revient un petit peu plus loin, qui, tu vois, en fonction des époques, on a toujours on a toujours eu des discours peut-être un petit peu différents, et est-ce que quelqu'un comme Sexton qui se dit, mais c'est Tomac qui nous met la misère à tous en bourrinant, pour résumer et faire simple, est-ce que c'est pas ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que ça peut pas rentrer dans la tête d'un pilote, ça? Oui, certainement, mais si ça rentre dans ta tête, c'est que tu es mal conseillé et que tu peux pas faire du Carmichael en faisant du Carmichael, tu peux pas faire du Stewart en faisant du Stewart, tu peux pas faire du Tomac en faisant du Tomac, tu peux pas faire du vélo poteau, tu peux pas battre du vélo poteau en faisant du vélo poteau. Si un mec demain vient, et je racontais ça, je faisais un show d'IMXS hier, et on parlait un peu de ça, là, des pilotages et tout. Tomac, dans ce qu'il fait, c'est le meilleur. Donc, bourrin, rouler avec une 4,5 comme une 125. Il y en a qui essayent, un qui roule un peu pareil, c'est Barcia, mais il a beaucoup moins de réussite. Il a aucun titre, Barcia. Tu vois. Donc, Tomac, son site de pilotage, il est propre à lui et il sait le faire. Et c'est le meilleur à faire ça. Vilo Poto, quand il roulait, dès qu'il a commencé à rouler, il dit, oh, ça y est, il faut maintenant accélérer à l'entrée de virage et tourner avec la roue arrière. D'accord ? Demain, tu mets un pilote qui roule comme Vilo Poto avec n'importe quel coach qui connaît à moitié comment rouler en motocross. Il va te dire, arrête de faire ça. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Pour rouler vite en cross et rouler bien, il vaut mieux regarder Jet Lawrence arriver vite, se laisser aller, accélérer à la sortie des virages. Donc déjà, si vous écoutez et vous regardez et que vous avez un peu des entraîneurs, des peintres qui vous disent « Ah oui, mais dès que vous êtes à l'entrée du virage, il faut accélérer. » Le mec, il n'a rien compris. Il n'a rien compris à la moto. Donc, il faut qu'il aille faire autre chose. Il aille faire de la pâtisserie ou autre chose. C'est accélérer à l'entrée du virage. C'est le cancer du pilote. Tu vois. Et Vilo Poto, il a fait ça toute sa carrière.
Tu vois. Donc, les mecs, ils ont voulu rouler comme ça. Il y en a. Ah ouais, mais t'as vu, Harvey, mes gaz, il faut tourner avec la roue arrière. Est-ce que tu l'as pas entendu ça dans les médias américains et tout ça? Turn with the rear. Turn with the rear. Tout le monde était. C'était ça, là, dès qu'il est arrivé et qu'il gagnait. Donc. Il faut essayer d'analyser et faire ce que tu sais faire, quoi, tu vois. Un boulanger fait du pain et les pâtissiers font des croissants, tu vois. Et en pilote, c'est pareil. Fais ce que tu sais faire. Il faut pas changer drastiquement de truc. On est dans un sport où il n'y a pas qu'un seul moule pour réussir. La preuve, enfin, la preuve, on a du Carmichael, du Stewart, du Reed, Tomac, Villopoto, Jet Lawrence. Tu vois, c'est leur taille, leur style de pilotage, tout est différent. Donc, il n'y a pas qu'un truc. Mais si tu veux changer ta nature et faire ce que fait un des meilleurs parce qu'il gagne, alors que c'est contre ta nature, là, tu as vraiment tout faux. Tu as vraiment tout faux. Et justement, tu serais encore, excuse-moi, je te coupe, mais tu serais encore entraîneur de Dylan. Tu lui ferais changer justement son pilotage pour adapter à un jet ou pas? Ou c'est trop tard? Ouais, c'est Dylan. Bon, après, Dylan et moi, vous avez sans doute entendu plein de trucs ou pas assez. J'ai essayé de lui faire changer plein de trucs, ce qu'il a pas réussi ou qu'il a refusé. Il y en a d'autres qui l'a accepté quand même. Vous avez changé quand même pas mal de choses depuis que tu t'en occupais. Oui, on a fait mais il y a des trucs en 4,5 et tout ça pour avoir plus de toucher technique et plus de contrôle d'une moto, d'une 4,5, des choses qu'il n'a pas voulu changer. Donc, la première des trucs, c'est d'arrêter de rouler les mains pleines. D'accord ? Donc, avec les doigts sur les leviers. À tout moment. Donc, ça, c'est encore un truc. Regardez les photos de Jet et de Hunter, les deux index sur les leviers. Tu vois, il utilise les index. Après, tu regardes Dylan, il part comme ça, d'accord ? Il utilise ses deux doigts là ou ses trois doigts pour partir au départ. Donc, super dur. Et il roule comme ça, d'accord ? Avec l'embrayage. Frein avant ici, embrayage comme ça. Et en fait, quand tu utilises le middle finger, c'est quoi en français? Le majeur, c'est ça? C'est ça. Tu ne peux pas tenir la moto. Donc, si tu es à fond dans une ligne droite défoncée et tout ça, tu ne peux pas tenir la moto comme il faut et contrôler avec ce doigt-là. Et souvent, les mecs que tu vois rouler avec main pleine, là, c'est pareil. Le seul mec qui roule avec main pleine comme il faut, c'est. Enfin, comme il faut. Qui a réussi, machin, c'est Stewart. Stewart, on roule à main pleine tout le temps. Mais, même dans les hoops. Mais c'est des trucs qu'il ne faut pas prendre. Il y a des trucs qu'il ne faut pas prendre parce que les mecs, ils gagnent. Tu vois. Un mec comme Ricky, débrayer avec celui-là. Ok. C'est Ricky. Il faut toujours enlever les exceptions. Et donc, avec Dylan, j'ai essayé de me battre pour qu'en supercross, qu'il ait un peu plus de toucher et de contrôle dans les hoops. Je trouve que c'est super important dans les hoops, à part si tu t'appelles Stewart, évidemment. Mais la majorité des pilotes, pour avoir ce contrôle, parce que dribbler des hoops, l'accélérateur ne doit pas vraiment bouger. Ton accélérateur dans les hoops, c'est ton embrayage. D'accord ? C'est un peu compliqué. C'est ton limiteur de vitesse. Tu es en train de dire que tu restes gaz constant et t'embrayes, c'est ça ? Voilà. C'est ton... Et si tu roules comme ça, ce n'est pas possible. Donc, tu n'as pas ce contrôle-là. Et ça, c'est un truc que j'ai réussi à. Marvin a réussi à le faire, tu vois. Et tu pourras lui demander. Donc, il ne tenait pas son embrayage avec l'index. Et dès qu'il a commencé à le faire, il avait une ampoule ici, là.
C'est parce qu'il avait le doigt de. Son doigt, en fait, c'était un doigt de mec qui vend des assurances vie, quoi. Donc, il s'en servait jamais, quoi. Tu C'est sûr vois? que tu allais sortir un truc comme ça. Je m'en doutais. Donc plus tu embrayes et que tu utilises, évidemment, comme tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas la corne et tout ça. Donc, il a commencé, il avait des ampoules sur les doigts parce qu'il utilisait. Mais c'est vraiment la technique la plus facile pour contrôler et pouvoir passer les housses comme il faut. C'est donc, et des fois, la moto, elle va s'asseoir, le régime va s'asseoir, donc elle va être wow, dans les housses. Et là, tu utilises un maillage pour aussi un accélérateur. Donc, c'est un limiteur, mais c'est aussi un accélérateur. Donc, ta poignée, elle ne bouge pas, tu ne peux pas aller plus. Et tu utilises ton embrayage, donc ton doigt, pour relancer et pour rester et pour essayer de remonter sur les dessus des housses. Et après, pareil, quand ça va trop vite, que tu es en arrière et que tu dribbles, c'est dur de couper, tu vois. Tu ne veux pas couper. Parce que si tu coupes trop et que tu n'as pas les mains sur l'embrayage, si tu coupes, l'avant, il descend, boum, c'est fini. Donc, ça, c'est vachement dangereux de couper dans les housses quand tu dribbles. Et là, quand tu vois que tu vas trop vite dans les housses, tu le sens parce que ta roue avant, elle commence, elle est ses limites. Là, tu prends l'embrayage et ça refait descendre un petit peu et tu reprends ton bon timing. Tu vois? Et ça, c'est un truc que, par exemple, Dylan a essayé de pousser sa cocotte d'embrayage pour pouvoir faire ça, mettre du scotch américain sur trois doigts pour essayer d'utiliser qu'un doigt pour avoir ce contrôle. Et à un moment donné, ça l'a gavé vite. Pas assez essayé longtemps pour avoir ce truc. Et à un moment donné, tu es obligé on va pas passer l'hiver à essayer d'utiliser un doigt dessus. Donc, à un moment, si ça le saoule, ben, on reste sur la technique et on fait avec, quoi. Mais tu es limité, quoi. Et en fait, Marvin, par exemple, il a été plus ouvert. Il a été plus ouvert dans le sens où, même à 32 balais, tu vois, il a su changer ce truc et il se sentait beaucoup mieux, il avait un meilleur contrôle. Mais c'est pas que pour les housses, hein, c'est de partout. Et si tu regardes Jet, les photos de Jet, tu vois qu'il est tout le temps comme ça, obligé. Tu fumes un embrayage par manche quand tu fais ça ou pas? En supercross? Ah non, 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 mais c'est pas, je te dis pas de faire cirer l'embrayage à tous les tours. Il y en a que oui, tu vois, par Ouais, mais je me exemple. doute qu'avec les 450, ça doit quand Moi, même être j'ai freiné. l'impression qu'il en passe beaucoup d'embrayages. Non, au Six de Paris, Oui, il a. ouais, ben parce que le problème, c'est que. Lui, c'est pareil, il accélère à fond et brah, il lâche, tu vois. Donc, Sachant qu'il est en 4, peut-être à l'entrée des hoops à Paris, il doit être en 4, quoi. ben, tous les bons sont en 4, hein. À part Barcia qui a 12 500 tours minute en 3, mais le reste des pilotes normalement constitués et qui savent passer où sont obligés de passer en 4. En 3, c'est impossible. On avait Ok. le sujet des nations. Hein. Ou alors, Nico, si tu veux faire la petite interlude de Ouais. la demi-heure de live, vas-y. Ouais, puis on a passé la demi-heure de live, mais on avait pas mal de questions Instagram. Donc, du coup, on va relever les meilleurs Instagram, réseaux sociaux. Les spécialistes, c'est qui, Blaise? Ce que c'est utile de le dire? On l'a déjà dit en début de live, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est notre taf. Donc, on est les spécialistes des réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez une entreprise ou que vous connaissez des entrepreneurs qui ont besoin de se digitaliser. C'est MX Réflexion ou MXR Communication pour la partie plus orientée BTP. On avait pas mal de questions, Divi, pour toi. Peut-on espérer un retour sur le Big USA? C'est Thomas qui demande ça sur Instagram. Avec une rubrique. J'en sais rien, j'en sais rien. Je pense que vous en avez pas marre de m'écouter toutes les semaines raconter la même chose depuis C'est des trop années. bien, c'est trop Hein? bien. Donc, non, on est un peu en froid avec Ah notre mince. ami. On est un peu en froid, mais bon, évidemment, je sais pas, je sais pas. Sans doute, peut-être que je vais refaire un truc. Hein. Peut-être que je vais demander
des conseils réseaux sociaux à Mix Réflexion hein, qui me fassent un truc pour faire des reels, pour faire des podcasts et Des tout. vlogs, des vlogs, on sait que tu adores ça. Des Tu devrais faire vlogs, on va tout faire là, on va se prendre la grosse monnaie sur YouTube et tout, on va se prendre. la YouTube money, évidemment. On a Julien qui demande sur Instagram, dit, tu disais que Danger Boy cassait pas des briques, au final, il finit deuxième. Du coup, point d'interrogation. Oui, moi je l'ai vu rouler il y a deux, c'était pas il y a 2 ans quoi, quand il commençait et je trouvais que Je ça trouvais qu'il était voilà, trop agressif, c'est ça? non non Trop mais agressif. rouler un six, si vous l'aviez vu rouler, progression de folie, ça je lui donne vraiment beaucoup de crédit là-dessus, il a une progression de fou. Il y a 2 ans quand tu le voyais rouler un six, tu te disais non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, ça y est, là, c'est évidemment, il est passé un cap un gros cap, grosse progression. Mais moi, si tu veux tout ce qui est hype, réseaux sociaux, des mecs qui font gueuler les motos sur Instagram en faisant des whips et des scrubs et tout ce que tu veux, qu'on dirait qu'ils vont vite, mais en fait, ils se traînent la bite. Il y en a à l'appel des mecs comme ça, tu vois. Et c'est toujours facile d'arriver 3 ans après et dire ah ouais, mais t'as eu tort là. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai tort tout le temps. Mais je suis pas devin non plus. Moi, je te dis au moment M et non T, au moment M, quand je vois un mec et qu'on te dit. Ah ouais, mais c'est le nouveau Carmichael. Des nouveaux Carmichael, depuis 15 ans, on en a eu à l'appel. Et on n'a toujours pas. On n'a toujours pas de Carmichael. D'accord? Peut-être maintenant, Jett. Ouais, ce que j'allais dire, peut-être, on sait jamais. Peut-être qu'il va empiler un championnat ou deux championnats par an pendant toute sa carrière, comme a fait Ricky. Mais il y en a à l'appel. Censarello, c'était le nouveau Villopoto. Ben non. Tu vois, il y en a appel. Après, moi aussi, je peux venir et dire ça et prendre tous les mecs qui, avec plein de hype, tu as vu, lui, il se traîne la bite, il n'a jamais rien fait. Donc, c'est facile de revenir 2 ans ou 3 ans après. Moi, quand je l'ai vu il y a 2 ans, il se traînait. Il dribblait deux hoops, il enroulait. Le timing, ce n'était pas ça. Évidemment, il avait 16 ans, 15-16 ans, donc évidemment. Mais. Au moment M, c'était pas Stewart. Au même âge, Stewart, tu mettais un tour tous les 5 tours. Donc, j'ai vu Stewart arriver en 2002. Je gagnais des courses de demi de SX aux US. Et lui, c'était sa première année pro en 125. Donc, je l'ai vu éclore, si tu veux. Et le mec, il est de quelle année, Stewart? Il est de 85. 86. 86 ou 86 ou 85, ouais. 21 décembre 85, je crois. Et donc en 2002, donc en 2001, il avait 16 ans. Il a Ouais, c'était ça, commencé ouais. le SX, il avait 16 ans. Tu te rends compte le niveau exceptionnel à 16 ans. Donc c'était presque meilleur que. Je sais pas si vous entendez quelque chose là. On entend On un petit dirait que je suis ventilateur là. Un dans un petit ventilateur. réacteur d'avion là. Ouais, un petit Ouais. bourdonnement. Non, parce qu'il y a un jardinier dehors qui passe le souffleur là. Je sais pas ce qu'il fait. Bref. Ouais, donc je crois qu'il devait de décembre 85. Donc, ouais, il avait en fin 2001, il avait 16 ans. Ouais, il a commencé à 16 ans. Donc, un niveau de fou à 16 ans. Donc, donc, Digan, oui, quand je l'ai vu en Floride, c'est vrai que c'était pas terrible. Même il était en Californie quand on s'entraînait, il a fait du SX très tôt, c'est pas top. Mais je l'accorde, jamais j'aurais pensé qu'il ait le niveau qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu penses que ça vient d'où? Il s'est entraîné plus dur que les autres, il. Répétition, Ouais. d'être dans cette dynamique avec. Et puis, c'est un peu des bourrins dans le bon sens du terme, un peu les ricains.
tu vois, ils en volent, quoi. Tu vois, ils en volent, ils s'entraînent. Dès que ça ne va pas, ils s'entêtent à travailler pour réussir, tu vois. Ça, c'est un truc qu'en France, on n'a pas trop un peu cette nature. Tu vois. Et puis d'être au contact d'autres pilotes. Tu vois, chez Star, quand il a commencé, il y avait les Christian Craig, Nichols, Dylan, tout ça. Donc, ils voyaient ce qu'ils faisaient. Et puis après, l'année d'après, il y avait d'autres mecs. Et cette année, il y a encore d'autres mecs. Donc, c'est, cette émulation avec le contact et voir un peu et s'imprégner de ce qui se fait et ce qu'on doit faire, obligatoirement, ça aide. Et puis, si tu as un tempérament de gagnant et de travailleur, tu progresses. Tu progresses, évidemment. Alors, on avait une question qui est revenue plusieurs fois. On l'a eu tout à l'heure sur Facebook aussi. Est-ce que DV va coacher Objectif Condor? Les Français veulent savoir. Ah ouais, putain, il est magique, ce mec. C'est magique. Tu peux nous expliquer une petite anecdote, du coup? C'est la green machine, tu vois. Belle anecdote, pour faire vite. Je ne le connais pas, ce mec, tu vois. Et je reçois une notification qui est un mec qui m'a tagué sur une story ou je ne sais pas quoi. Je clique dessus, tu vois. Et en fait, c'est un gars qui roulait avant et qui avait un bon niveau en junior ou qui faisait la Junior Cup en SX et tout. Et qui a découvert les verres de pastis et les gonzesses et qui a un peu perdu le contact avec la moto, je ne sais pas quoi. Et puis, en fait, c'est le retour, quoi. C'est le phénix. C'est pas le condor, mais c'est le phénix. Et en fait, il a une 4,5 Kawa et il s'est donné comme objectif de refaire de la moto, d'après ce que j'ai compris, de refaire de la moto et de faire top 10 en championnat de Bretagne, en ligue, tu vois. Et en fait, il disait comme quoi qu'il reprenait la moto dans son live et tout et qu'il allait me demander à moi de le coacher parce que j'étais un des meilleurs du business, enfin, bref, un truc un peu monté à la hollywoodienne, quoi, super rigolo. Quoi. Et en fait, moi, j'ai un peu accroché, quoi, tu vois. Et après, il y a beaucoup de gens qui me taguaient sur ces postes, tu vois. Donc, ils s'entraînaient, ils faisaient des abdos, des pompes, un peu à la Rocky 4 en Russie, tu sais, mais il est en Bretagne. Et c'était rigolo. Et en fait, j'ai discuté d'autres fois. Ça fait un moment que je ne l'ai pas eu et que je n'ai pas vu parce que je suis plus des trucs pas moto que moto. Enfin, je ne le suis pas en fait. Je vois que quand je suis tagué, si tu veux. Et je lui ai donné deux conseils d'entraînement parce qu'il mettait ses montres, ses stats et tout. Ah, tu t'es intéressé quand même un peu. Ouais, je lui ai donné deux, trois conseils pour s'entraîner, faire de la muscu sans aller à la salle de muscu, quelques exercices et puis des zones pour s'entraîner en cardio et tout ça, mais parce que beaucoup de monde fait un peu tout et n'importe quoi en ce qui est cardio. Donc, j'ai deux, trois conseils là-dessus. Et puis, il m'a dit qu'il avait progressé là-dessus, tu vois, que c'était cool et qu'il m'a remercié. Mais ça fait un moment que je n'ai pas vu le… La green machine. J'ai pas vu la green machine. J'ai vu qu'il s'était mis chiffon une fois. La green machine, elle était mais en 8. Comme arrière de car, il s'était fracassé. Ah ouais. La moto morte. Et après, quand il mettait des vidéos aussi quand il roulait, tu vois. Et j'ai donné deux, trois conseils au vu des vidéos, tu vois. Donc, bon, du coup, taguez cool. David Villemain sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être une chance d'être coaché. Ah non, pas vous. Allez-y, taguez-le dans votre story. Si vous voulez faire, de toute façon, c'est ça le nouveau truc. Si tu veux faire top 10 de ta région, il faut taguer David Villemain, je crois. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça marche. Arrêtez, ouais. Et si tu reviens en France, du coup, tu vas revenir en Bretagne, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça. Ah, on va manger des galettes et boire du cidre. Nickel. Parce qu'il y a Julien Houdan qui te demande quand est-ce que tu viens au Vélodrome. Bon, vu que vous avez une équipe en bois d'ébène, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Julien qui l'a dit. Donc, Julien, en Bretagne. J'arrive en France lundi, donc dimanche prochain, OM Toulouse. C'est cool, ça. Hein? Je suis sûr que personne n'était au courant, hein, puisque tu es allé en France. Tu as pris ton billet hier et tu l'as dit à personne. Je n'ai pas dit à mon père. J'ai pris mon billet hier. Voilà, on a une exclue.
C'est bien ça, une exclusive sur Amix Réflexion. J'ai pris mon billet hier. On voulait savoir si Tom Vial ou Dylan Ferrandis, mais on sait juste que tu rentres en France dimanche. Je rentre en France dimanche, ouais. Et c'est fou, on parlait de Green Machine et du Condor. Je rentre sur une airline, une compagnie aérienne. Ça s'appelle Condor. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si je vais arriver. Mais je pars dimanche et je dois arriver lundi. C'est du low cost. C'est du low cost allemand. Là, c'est tellement... parce que c'est dur quand tu fais un 86, que tu as 10 kilos de trop, que de faire en éco, c'est compliqué, l'éco de nos jours. Tu vois. Donc, je voulais en premium. Et en premium, sur Air France ou British ou Lufthansa, c'était 3 000 $. J'ai dit, je vais se faire encadrer, quoi. Je ne peux pas mettre 3 000 $ dans un billet d'avion. Et donc, j'ai trouvé ce truc Condor. Je vais à Francfort. Il n'y a qu'un stop. Je fais LA Francfort, Francfort, machin. Mais je pars dimanche. Donc, si vous prenez des nouvelles, quoi. Ouais, s'il y a quelque chose, on va checker les vols de Condor Airlines. Voilà. On essaiera de te taguer pour voir si tu réponds. Du coup, on a eu la question qui est revenue, je pense, à peu près 3000 fois, la question des nations. Ce que tu penses un petit peu bon, des équipes, de l'équipe de France, est-ce que tu seras là, toi, aux nations, au SX de Paris? La bonne blague. Est-ce que j'ai invité tous les anciens vainqueurs, du coup, normalement, tu n'as pas dû bien voir dans ta boîte aux lettres, mais je pense que tu l'as reçu. Non, mais ils sont cool, la Fédé. La Fédé dit, ils te demandent si tu es aux nations pour faire un truc pour eux, tu vois. Donc, j'ai reçu cet email. J'ai dit non, je n'ai pas prévu d'y aller. Je ne vais pas me faire 10 000 bornes en avion, payer… moi, d'aller aux Nations, ça va me coûter 5 000, tu vois. Peut-être pas 5 000, mais tu en as pour 2 000 d'avion, l'hôtel, le machin, la voiture de l'orgue de Paris, tac, tac, l'autoroute, les 3 flashs que je vais me prendre sur l'autoroute… je me suis fait flasher 3 fois en rentrant des Nations en 2005. Donc, 3 fois en 300 km. On a Waze ici, Waze c'est utile, ça sert pas. Ouais, ben nous aussi on a. Et en fait, ils te demandent, ouais, il y a les anciens vainqueurs et tout. Mais en fait, ils veulent que tu payes, ils veulent que tu sois et que tu viennes au stand signer. Mais le mec de la Fédé, il ne te dit pas, écoute, DV, c'est cool, tu vois, tu t'es fait chier toutes ces années à faire les Nations là, avec des motos en bois, redescendre en 125 au Brésil, se faire crépir la gueule. Et pour pas un rond, on y allait gratos. Hein. On y allait gratos. Hein. On allait se faire crépir la gueule au Brésil. Pour pas un rond, zéro, on gagnait. Tu vois. Oh, ouais, Dédé, tu veux pas redescendre en 125 et tout, ça serait cool. On laisse Fred Bollet et Tortelli en 2,5, tu roules en 125. Ben, Dédé, qu'est-ce qu'il dit? Ben, ça va, c'est bon. Donnez-moi une 125 chez Rinaldi, là, ça va aller. Je viens. Allez. Y a tout le monde qui est blessé pour la Namur. Tu veux pas venir à la dernière minute après le 11 septembre? Il y a personne. Tu peux venir sans ton mécano, sans tes pièces, sans rien. On veut juste que tu roules parce que. J'ai dit, ouais, mais mon mécano, il ne peut pas venir. C'est après le 11 septembre. Il ne veut pas l'envoyer. J'ai rien. Ah oui, mais ça serait bien que tu viennes en personne, tu sais. Ah ben oui, DV, il vient, hein, évidemment. Tu vois. Nation 2005, pareil. Je pense que je n'étais pas dans l'équipe 1. Évidemment, tu ne veux pas venir à Arné. J'étais en fin de contrat, comme Dylan cette année. Ben, je suis arrivé. Il me dit, oh, Cazola, il peut te prêter une moto, Team Cazola à l'époque. J'ai dit, ouais, mais Yam ne veut pas rien envoyer. Je suis en fin de contrat. Il m'envoie juste mon. Enfin, ils sont OK que mon mécano vienne. D'ailleurs, que je payais moi, d'ailleurs, ce n'est pas eux qui payaient. Donc, il fallait que je lui donne quand même quelque chose pour qu'il vienne. Il ne va pas venir gratuit, le mec. Donc, j'ai roulé avec une moto stock des suspensions US. J'avais un pot Doma de 8 km de long, tu vois. Au départ à Arné, j'étais au départ, le pot, il était à Rennes, tu sais, tellement qu'il était long. Donc, je me suis fait chier. Pareil, moteur stock, partir dans les choux. J'avais moteur stock, un pot Doma et mes suspensions américaines, tu vois. Et le problème, c'est que tout le monde croit que, tu vois,
C'est open bar, no limit, tout est top, nickel, c'est toujours top, t'es pilote d'usine et tout, tu gagnes des rangs. Mais aux nations, je me suis fait chier tout le temps, tu vois. Et j'ai voulu le faire parce que j'aimais cette course et j'ai dit, c'est bon, je viens, motostock, je roule, 125, je viens. Et maintenant, ils t'envoient un email, les mecs, ils te disent, ah, est-ce que tu seras à Ernée? On aimerait que tu viennes signer pour nous, tu sais. Non, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Ernée? J'habite à Los Angeles. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Ernée? Je ne vais pas me mettre pour 5 000 pour aller voir une course que je peux voir à la télé pour 20 euros, déjà. Et si tu veux que je vienne, gros, tu vois, parce que je me suis fait chier, tu vois, pendant que vous prenez des billets business class pour l'audition et que c'est open bar, c'est traiteur, hospitality. Maintenant, la Fédé, de nos jours, c'est open bar, hein, tu vois. Les mecs, quand ils vont aux Nations à Red Bud, ils y vont en business maintenant. Hein, hein. Nous, on y allait, ils te disaient, ah ouais, mais tu peux venir que toi et ton mécano, on ne paye que 2 billets d'avion et c'est en écho. Maintenant, les mecs, les Gauthier et tout, c'est open bar. Hein. C'est business, hospitality, traiteur. Nous, tu crois qu'on avait un traiteur ? On avait un traiteur ? C'était les mères ou les cousines qui faisaient, on avait des tupperwares et des salades de riz de la semaine d'avant. Hein, je veux dire, tu comprends ? Donc, si tu veux que je vienne, parce qu'on a été les premiers à gagner les nations, parce que vous n'aviez personne et qu'il a bien fallu trouver des mecs pour aller rouler, eh bien, tu dis, DV, on te donne une enveloppe de 3-4 000 dollars, prends ton billet d'avion, tu vois. Et là, j'ai dit peut-être, ah ouais, là, ils veulent vraiment que je vienne, quoi, tu vois. Après, Luigi Segui nous dit qu'il lui payait les frais. Mais bon, Luigi, peut-être que si on le paye en poulet ou comme en motocross de Lozère à la belle époque, c'est pour ça qu'il se déplace. Non, quand mais Luigi, on le paye en… Non, il lui donne son poids en hérisson, tu sais. Après, c'est bon, ça passe. Allez, une guitare, deux, trois bouts de bois pour faire le feu, là. Son poids en hérisson. Allez, ma couille, ça roule. Oh putain, Luigi, oh, un phénomène, je l'adore. On l'a eu deux fois dans notre live, on a eu des anecdotes. Ouais, c'était vraiment. Mais c'est fou. En plus, moi, rigoler, Luigi, je le connais depuis qu'on roule en 80, donc tu vois, la famille et tout. Quand putain, sa sœur, elle chantait à l'époque, le samedi soir du championnat de France cadet et tout, t'as le père qui sortait, le père, le grand-père, les guitares. La sœur qui chantait, mais magnifique, autour du feu et tout. Des souvenirs de fou. Des souvenirs de fou. Ouais. du Luigi. Parce qu'après, Luigi, on le connaît quand il était pro et que c'était plus médiatisé, tu vois. Plus médiatisé. Tu vois, je parle de ça, c'était en 91, ça c'est 90, 91, tu vois. Les samedis soirs au championnat de France Calais et tout. Vraiment cool, ouais. Vraiment cool. Tu penses que ça a changé, ça, de nos jours? Bon, ça, je pense que ça fait très longtemps que tu n'as pas été voir en championnat de France cadet. Moi, j'ai été au mini-vert ce week-end, championnat de France mini-vert. Ah, et c'était pour, à Abraham, par chez vous, là? Ouais, exactement, ouais, c'est ouais. Ça. J'ai fait speaker, animateur, et du coup, j'ai passé la journée là-bas. Et je trouve que ça n'a pas changé, en fait, par rapport à il y a 20 ans. Moi, je n'ai jamais fait le mini-vert, j'ai commencé un petit peu plus tard, mais je vois à quoi ça ressemble. Oui, il y a de la camaraderie, là. Moi, je connais des... le fils de mes meilleurs amis a été champion mini-vert l'année dernière. Je vois un peu comment ça se passe. Ils sont tous un peu potes. Ils mangent ensemble. Les mignons, ils dorment dans des lits de camp. Enfin bref, ils sont à la bonne franquette, quoi, tu vois. Donc, ça reste bon enfant, si tu veux, encore. Mais c'est bien. Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu nous as dit que tu ne serais pas à Ernée, mais à Supercross de Paris, tu veux venir ou pas? Ah ben, tu vois, Supercross de Paris, là, ça va. C'est quand même beaucoup mieux. Ils te disent, DV, c'est les 40 ans. Non, 40 ans, ouais. C'est les 40 ans d'épreuve, tu vois. C'est toi qui as le plus gagné Bercy. On veut vraiment que tu viennes et tout. Donc, viens avec qui tu veux. On te paye le billet d'avion. Envoie une facture. T'as l'hôtel à côté, on fait un truc. Tu vois?
Donc voilà, là, c'est quand même différent. Xavier ne m'a pas dit « Par chance, tu ne serais pas vers Paris mi-novembre. Est-ce que tu pourrais passer, tu vois, faire une pierre deux coups à Bercy pour faire, tu vois, pour faire coucou parce que tu as gagné Bercy ?» Non, il te dit « Écoute, c'est les 40 ans. Bébé, il faut que tu sois là. Moi, je n'avais pas prévu de venir. Donc, il faut que tu sois là. Et puis moi, je ne te demande pas, si tu veux. Mais c'est quand même cool quand il propose. Et si tu veux que je vienne quelque part, la moindre des choses, c'est au moins de te défrayer, que je ne te demande pas 10 000 pour venir. Je te dis, mais si tu veux que je vienne à l'année, fais-moi le billet d'avion. Vous dépensez, je ne sais pas moi, 200 000 pour la Red Bull l'année dernière. À un moment donné, arrêtez vos conneries, quoi. Tu vois. Donc oui, et Bercy, oui. Oui. Je n'ai pas pris mon billet d'avion, mais je crois que je vais faire du low cost aussi. J'ai trouvé une nouvelle compagnie. Il y a Condor et il y a Condor, ouais. Condor, ouais. Friendly, je connais, c'est pas trop mal Friendly, normalement. Tu l'as pris ? J'ai pas pris, mais je connais pas mal de personnes qui l'ont pris parce qu'il y a des vols vers La Réunion, vers les DOM comme ça, et du ouais. coup, apparemment, c'est pas mal. Ouais. Ouais, tu peux y aller. C'est pas Condor. À mon avis, Condor, c'est un peu plus malsain. Non, mais c'est des Allemands. Les Allemands, normalement, ils sont carrés, quoi. Tu vois, donc j'ai dit, on verra bien. Dans le low cost. Mais Friendly, ça a l'air pas mal. Et ouais. Ils font. C'est fou parce qu'ils font Los Angeles, Orly, au lieu de faire Los Angeles, Charles de Gaulle. Ils atterrissent à Orly. Donc, je pense que je vais me faire de la premium sur French Bee, là. Oh, je me régale. Du coup, c'est un gros programme, là, entre coacher le Condor quand tu viens dimanche, pendant une semaine, plus Paris. Ouais, coacher le Condor, non. Bon, c'est cool. Bah, et Paris, du coup, tu vas venir en mode touriste, un petit peu, du coup, où tu vas avoir un œil, quand même, sur des pilotes, tu penses Comment Paris, bah, c'est touriste, gros. Ouais. Tu as signé les autographes et ouais, c'est cool. C'est bien, non, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Je crois qu'ils ont prévu d'avoir Magraff, GMB, Omara ou un truc comme ça, ou avoir des anciens cool. champions, quoi. Enfin, des anciens vainqueurs de la course, parce que c'est le. À mon avis, ils auront le premier vainqueur. Ça doit être Omara ou sans doute le premier vainqueur de Bercy. Ouais, t'es jamais venu comme ça en dilettante, en mode pas de. C'est vrai de que je suis. Mais comme je te disais en début d'émission, c'est que je ne vais pas trop aux courses en touriste. Si je vais aux courses, parce que il faut que j'y sois, parce que je bosse, tu vois. Sinon, je préfère, sans déconner, je préfère regarder les courses à la télé. Et je n'ai pas besoin, il y a beaucoup de monde, ils ont besoin de se montrer, d'être là. Et comme je disais, ils pensent que s'ils ne sont pas là, la course ne va pas avoir lieu. Que moi, ça, ce phénomène, enfin, ça... c'est complètement passé, quoi. Je sais très bien que la grille elle va tomber et mon canapé top, télé nickel. C'est vrai que j'y vais pas au cours. Ouais. On a eu pas mal de fois la question sur est-ce que tu as été approché par la famille Vial pour une collaboration. Bon, non, apparemment non, c'est ce que tu nous as dit. Mais plus généralement, pardon, tu penses quoi toi de l'évolution de Tom depuis qu'il est arrivé aux US? Non, j'ai pas eu de contact. La famille, donc Fred et Barbara, ses parents, je les connais depuis plus de 20 ans, presque 30. J'ai connu Fred parce qu'il était par chez moi et je le voyais rouler à la Ligue, au junior, au cadet, au junior, avant qu'il devienne pro, tout ça. Donc, je les connais et ils sont presque, il est la génération un peu d'avant moi quand même, mais on a pratiquement, on a 4-5 ans de différence. Non, il n'a jamais été question, jamais discuté de m'occuper de Tom, non. Moi, je suis plus, quand je vois Fred et Barbara, c'est plus de raconter et de se remémorer de la grande époque. Nous, on appelle ça la grande époque, la grande époque, la belle époque, tout ça, quoi. Les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tu vois. Après, l'évolution, ben, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'évolution, si tu veux, de l'année. Moi, mon analyse personnelle. Tom n'a jamais fait de SX. Il vient d'entrer, on le met en Supercross US. Il rentre dans une structure avec KTM Aldon Baker, qui est basé sur le roulage, l'entraînement physique, la répétition.
et pas dans l'apprentissage d'une discipline qu'il ne connaît pas. Donc, moi, je trouve que Baker, quand vous allez là-bas, c'est un peu comme un jeu vidéo. Tout est nickel. Tu vois, c'est super bien encadré. Tu fais tant de tours. Tu n'en fais pas un de moins, pas un de plus. Tu vois, quand tu finis tes sessions, tu mets ta montre sur un truc pour que ça download tes machins, tout ça. C'est vachement pro. Pour le mec qui a besoin de sérieux, de suivi et de roulage, de faire des ordres de moto, mais qui sait déjà faire de la moto. Déjà, comment dire, putain, techniquement, la discipline. Voilà. Qui connaît comment faire. C'est pas mauvais. On l'a vu avec ça fonctionne avec Anderson, par exemple. Ça a mené du sérieux, il a réussi à être champion quand il était là-bas. Après, pour un mec qui faut apprendre de A à Z comment rouler un STX, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les qualités professionnelles pour le faire. Ce n'est pas un truc qu'ils font. Et j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel dans les premières courses. Je crois qu'il fait 4-5, un truc comme ça, dans les premières courses de la Six. Mais qu'on n'a pas vu d'évolution. Il n'a pas trop eu d'évolution en SX en termes de technique, de whoops, de résultats. Il n'y a pas eu trop d'évolution. Mais quand tu connais sa situation, où il est, ce qu'ils font, parce que j'ai passé un peu de temps là-bas, je connais j'ai vu les programmes de Marvin, je sais ce qu'il faisait, enfin bref. C'est totalement normal, tu vois. Donc, tu peux pas faire mieux. Tu vois. Puis en plus, il prend, enfin, ça c'est pareil, c'est mon analyse, mais j'ai l'impression qu'il a pris au fur et à mesure de la saison des petits coups au moral qui font que, ben, au bout d'un moment, ils trouvaient normal de faire 4e, 5e, ou même bien de faire 3e, alors que l'année dernière, en étant champion du monde, il serait venu ici sur l'outdoor, il n'aurait pas trouvé normal de faire ces positions-là, pour moi en tout cas. Oui, mais il faut arrêter d'avoir une analyse primaire là-dessus. Et tout le monde l'a, pas juste parce qu'il est champion du monde. Rappelle-toi qu'il est champion du monde, c'est une catégorie de moins de 23 ans. D'accord ? Donc, il n'y a pas tout le monde. Ouais, mais tu crois que c'est un meilleur niveau aux US, du coup? Mais bien sûr, bien sûr. Je crois que Aiden Dingan roule plus fort en 2,5 que, je sais pas, qui c'est, Lagenfelder, par exemple, ou... Je crois qu'Adamo, il roule vite, je crois que c'est un bon pilote. Je crois que Lagenfelder, c'est un bon pilote. Mais les nations, c'est dur, quoi, de voir sur une course. Non, il faut arrêter de regarder les nations. Mais ouais, c'est pour ça que c'est dur. C'est rouler ici, aux US. C'est pas demander à un Américain, demander à Digan ou à Hunter Lawrence d'aller gagner à l'Omel. C'est pas ça qu'on demande. Ici, on parle de Tom Vial qui vient aux États-Unis. Donc, moi, je t'analyse ça, le fait que Tom Vial a gagné deux fois des championnats dans un championnat de moins de 23 ans. J'avais fait une analyse, je ne sais plus pour qui, au moment où j'avais dit ça, c'était après 4, 5, 6 courses, un truc comme ça. Kitchen n'avait pas encore gagné de manche en outdoor cette année. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il a gagné. Je crois qu'il a gagné une ou deux manches Kitchen cette année. Mais en fait, l'analyse, elle était que sur les 12 premières manches ou un truc comme ça, ou 10 ou 12, il n'y avait qu'un mec en dessous de 23 ans qui avait gagné une manche. C'était Digan. D'accord ? Et je faisais le parallèle dans le sens où il y a un mec qui me dit Hunter a fait le mondial, mais bon, les gars, ça fait 10 ans. Je veux dire, c'est incomparable. Arrêtez de raconter des conneries. Putain, à un moment donné, là, lui, il faut qu'il enlève part de Facebook. Rejoignez-nous sur Twitch. Ouais. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, il n'y avait que Digan qui avait gagné une manche
et qui était en dessous de 23 ans. Après, en Grand Prix, tu n'as que des KTM. Quand tu roulais, tu n'avais que des KTM, des Huskies, des machins. Donc, des motos équivalentes. Mais la KTM, même si c'est toutes les mêmes avec différentes couleurs, la KT est quand même celle qui marche le mieux tout le temps. C'est vrai ou pas? Enfin, je sais pas. C'est tout le temps celle qui est devant, c'est sûr. En 2,5, c'est tout le temps. Il y a les frères Koenen là, qui ont apparemment la même moto, le petit qui roule qui a fait les moins bonnes performances à la KT. Et c'est le grand qui est Alex Varna qui est devant et qui gagne des oui, matchs. Oui, parce qu'il roule, il est extraordinaire. Il roule un peu à la De Wolf, c'est un peu la new school et tout. Il roule super bien. Ouais, donc, mais tu sais que j'ai roulé avec eux à l'entraînement, juste pour une parenthèse. Et au final, le petit à l'entraînement roule plus vite que le grand. Et ça s'inverse en course, tu vois, bizarrement. Petit un peu plus hargneux. Des pilotes d'entraînement et des pilotes de course. Ouais. Hein. Ouais. Sincèrement, tu vois Webb, tu vois Cooper Webb à l'entraînement, tu te dis, mais jamais il va gagner une course. Alors, tu es deux fois champion. Après, tu vois Marvin à l'entraînement, tu te dis, c'est bon, il va gagner toutes les courses. Et ouais. En fait, non. C'est après, parenthèse, toi, Blaise, à l'entraînement et en course, t'étais moins rapide que les deux. Oui, Blaise, ça, à l'entraînement, à la course, il se traîne. C'est pas vrai, comme ça. J'ai vu des vidéos, je ne sais pas où, là. Enfin, il y a un moment, tu mettais du gaz quand même, hein. Ouais, voilà. Les caméras embarquées et tout ça. Donc, voilà, je reviens au truc, au lieu de raconter des conneries, là. Donc, en Grand Prix, la Kawa, elle sert à rien. Les Honda, elles servent à rien. Les teams privés servent à rien. Les motos, elles n'avancent pas en 2,5. Si tu veux, championnat de moins de 23 ans avec une KT, les KT qui marchent, du groupe KTM et les deux Yam. D'accord ? Et basta. Ici, ce n'est pas pareil. La Honda, ça marche. La Kawa, maintenant, ben, tu vois sur les dernières courses, les Kawa, les trois Kawa devant au départ. Les stars, usine à gaz, tu vois. Et après, ben, tu as les KT, les machins et tout. Donc, obligatoirement, quand tu as une catégorie de moins de 23 ans, tu as des mecs aujourd'hui qui galèrent. Par exemple, des Jonas, des mecs qui végètent entre 5 et 10 en 4,5 et qui sont encore jeunes, des 24-25 ans, et qui végètent un peu en 4,5, mais qui sont obligés d'y être parce qu'il y a cette putain de règle des 23 ans, ça mettrait plus de monde, tu vois, en 2,5. Donc, ça serait beaucoup plus dur. Le niveau serait automatiquement relevé. Le fait qu'aux États-Unis, à mi-championnat, tu n'avais qu'un mec en dessous de 23 ans qui est champion, qui est vainqueur de manche, ça te dit aussi que, évidemment, les pilotes sont meilleurs. Tu vois, ils sont meilleurs jusqu'à 27, 28. C'est là où tu es au meilleur de ta forme, disons. Tu vois, pas avant 23 ans. Peut-être moins. Ça, c'est dur. En fait, c'est dur moi, de savoir. Moi, j'étais meilleur avant 23 ans qu'après, mais bon. C'est dur de connaître le niveau parce qu'en fait on le sait jamais la différence entre, je veux bien, je suis d'accord avec toi sur l'analyse du fait qu'on progresse jusqu'à on va dire 27-28 ans, on peut être au pic de sa forme à cet âge là mais il y a des fois des pilotes comme les Koenen qui arrivent à avoir, je pense que leur pic de forme sera, les Koenen qui ont 16 ans, hein, je rappelle 16 bientôt 17, leur pic de forme sera à 20 ans. À 20 ans ils gagnent déjà des manches à 16 ou 17, donc à 20 mais regarde Stewart, il a fait ses meilleures saisons, il avait moins de 23 ans, non ? Il n'avait pas moins de 23 ans. Et pareil pour Reed, pareil pour Carmichael, pareil pour Tomac, pareil pour Dylan. Marvin tu aussi, peux pas, au final, tu peux, avec un profil similaire à Tom, puisqu'il a été deux fois champion du monde, oui, il est parti aux tu USA. Peux pas, tu ne peux, peux pas dire que 23 ans, dans tous les sports, tu es passé. Tu n'as pas assez d'expérience, même si tu as beaucoup roulé. Physiquement, tu n'y es pas encore. Jamais un athlète, enfin, en majorité, un athlète n'aura jamais son pic de forme avant 23 ans. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et on y est dedans. Enfin, moi, j'y suis dedans depuis 35 ans. Hein, tu vois. Donc, pas dans ton pic de forme, tu parles. Non. De voir. Tu vois. Après, oui, tu peux toujours. C'est facile parce que au jour des réseaux sociaux, tu peux sortir les exceptions. Il y a toujours un con qui va te dire « Ah, oh, mais lui, tu sais… » Et oui, il y a toujours un con qui va sortir l'exception, qui ne sert à rien.
Oui, non, mais après, on a eu des Pourcelles qui sont arrivées, qui ont été quand même devant assez rapidement. Pour comparer à Tom Vial, tu sais. Oui. Il y a des exceptions, il y en a. Et Diat, il a que 20 ans. Oui, il a l'âge de ma fille, Diat. À 3 ou 4 jours près, ils ont le même âge. Je comprends que. Non, mais c'est pareil. Mozart, il écrivait des trucs à 6 ans. D'accord ? Tu vois ? Jules, à 6 ans, il ne faisait pas de. C'est Marseille bébé, quoi. Il ne faisait pas à 6 ans. Alors que Mozart, oui. Après, les exceptions, tu peux les sortir, gros. C'est trop facile. C'est Mozart et Jules dans la même phrase, ça m'a tué. Ça me fait bizarre aussi. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Jet, à 25-26 ans, ça va être une machine de guerre. Thomas, qui avait 23 ans, ce n'était pas une machine de guerre. Thomas, c'était une machine de guerre à 28. 27-28. C'est là où c'est là. Voilà, ça me fait juste peur. Ça fait juste peur que Jet les atomise pendant encore 10 ans et qu'on ait des courses à la Carmichael à l'époque où les courses de Carmichael, on s'ennuyait quand même. Enfin, je veux pas dire, mais regarde ce que fait Stewart à 16 ans. À 16 ans. Ouais, mais Stewart, il est tombé sur Carmichael, tu vois. Il est tombé sur quelqu'un qui a donné à 16 ans. Stewart, 16 ans. Glenn Helen, il gagne. Hein. À 16 ans, avec une 125. Tu vois. Tu peux toujours prendre des exceptions. Donc, pour revenir à Tom, en fait, les dés sont pipés parce qu'on pense, on pense un peu que c'est la fête à la grenouille. Donc, il faut réaliser que le MX2 européen, oui, ça roule bien parce que c'est là-bas. Tu as des mecs qui sont bons. Moi, j'aime bien comment roulait Geertz quand il était contre Tom. Je trouvais qu'il était, qu'il avait de la pilotage. Il y a quelque chose, quoi, tu vois, quand il roulait contre Tom. Mais vraiment, après, il y avait qui, quoi. Donc, ce 23 ans, ça limite. Les motos, donc là, Tom avait une des meilleures motos. Et aujourd'hui, je pense que Tom a une des moins bonnes. Et il est dans un championnat qu'il ne connaît pas, des terrains qu'il ne connaît pas, des textures de terre où il n'a pas l'habitude. Chez nous, on va Arcodi, Trento, il faut être gentil sur l'accélérateur. La majorité du temps, il faut être gentil sur l'accélérateur en Europe, à Loquette et toutes ces conneries de terrain en bois. Ici, texture de terre, c'est la même tous les week-ends. Tous les week-ends, à part évidemment Washougal, c'est différent, t'as Washougal. Ouais, mais Southwick, c'est un peu la même, quoi. Oui, c'est différent, mais ça ressemble. Southwick et Redbud, ça ressemble. C'est niveau pilotage et tout, ça ressemble beaucoup. Donc, quand tu es ici, c'est sur le terre. Donc, il faut être super agressif. Il faut faire rupter, enfin, pas rupter, mais il faut mettre la moto dans les tours en 2,5. Il faut cravacher comme un con. Tu vois? À part si tu es au-dessus techniquement. Tu vois, Hunter ne le fait pas, mais techniquement, il arrive à faire quand même encore la différence technique. Mais si tu regardes, d'ordre de demi, c'est essor et le physique pour aller jusqu'au bout. Et c'est mou, donc super agressif. Et surtout, dans les premiers tours, il faut sortir les coudes. Quoi. Il ne faut pas avoir peur d'aller au contact. Et ça, c'est plein de trucs que Tom n'a jamais été habitué à faire parce que Tom partait tout le temps devant. Il a jamais eu à doubler beaucoup de monde parce qu'il se partait devant. Ça a été un inconvénient pour lui, pour le développement de son profil d'athlète, de partir devant et de l'avoir presque trop facile, si tu veux. D'être un peu au-dessus du lot parce que en pilote, il était au-dessus du lot, il avait la meilleure moto du plateau, il partait tout le temps devant. Donc ça ne l'a pas du tout aidé. Ça ne l'a pas du tout préparé à faire l'US. Tu arrives ici, les motos, les autres, c'est des usines à gaz. Donc, tu ne pars pas devant les Honda. Il n'y a pas que des ports aussi. Et tu ne pars plus devant. Et quand tu te bats contre des mecs qui ont des motos similaires ou plus ou meilleures, va te battre, toi, quand c'est des champs de patates arrosés, Red Bud, Bud's Creek, Millville, machin. Tu vois bien. À Milleville, le triple a monté, il n'y a que les Yam qui l'ont sauté. Hein. Tu as vu une KTM la sauter, toi? Non. Donc, tu pars pas bien, tu n'es pas habitué à doubler, tu n'es pas habitué à remonter, tu n'as pas la meilleure moto.
Tu roules avec des mecs de moins de 23 ans. Et quand tu arrives aux US, eh ben, comment tu fais des résultats si tu n'as pas progressé énormément pour avoir le niveau et sur des circuits que tu ne connais pas et contre des concurrents que tu ne connais pas, compliqué là, gros. Donc, moi, pour moi, c'est complètement normal. Moi, j'ai trouvé que quand même, il a fait 2-3 courses pas mal, des podiums. Tu vois, en début d'année, en début de outdoor, tu as deux fois les deux premières manches où il était 3, il fait 7 les deux fois. Il se fait doubler vers la fin et tout. Donc, peut-être pas l'habitude des mecs, des ricains, qu'ils se battent pour la dernière miette sur la table jusqu'au drapeau à damier, ils sont à bloc. Tu vois, que chez nous, peut-être que c'est un peu moins ça. Moi, les deux premières courses, j'ai dit, tiens, ça va être compliqué. Le minot, il est 3. À la fin, il s'est doublé par 4 mecs, il fait 7 dans les deux premières manches, donc Pala et Hangtown. Après, il a fait une belle course, à, je crois que c'était à Mont-Maurice, où il fait aussi podium de manche. Il fait 2 ou 3. Évidemment, il gagne Southwick. Mais sincèrement, moi, je trouve que c'est normal de ne pas avoir fait de top 5 ou qu'un top 5 à SX. C'est entièrement normal. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. C'est une autre discipline et c'est un autre métier, le SXUS. Et en outdoor, ben pareil quoi. Si tu analyses ce que je viens de te dire et que tu essaies de réfléchir, tu dis ah ouais, quand même, oui, normal. Donc ce qui fait en outdoor, pareil, et je trouve que il y a des fois, pour moi, la majorité du temps, il était au niveau où je pensais qu'il allait être. Et Southwick, une manche à High Point, que je me rappelle, où il était mieux que ce que je pensais en fait. Tu vois, je pensais qu'il n'allait pas gagner de course cette année. Et il en a gagné une et je ne pensais pas qu'il allait faire autant de podiums, si tu veux, même en dehors. On a plusieurs sujets là qui arrivent dans les commentaires. On va en choisir un. Je te propose de choisir toi, David. On a le sujet retaper des motos vintage, le sujet motocross des nations qui est revenu pas mal de fois. Il y a le sujet Triumph, le sujet Star Wars. J'ai le temps, j'ai le sujet dopage. Les nations, évidemment, on a su pourquoi Dylan n'est pas venu parce que machin. Problème d'argent, le team avec les mêmes sous. De frais, ouais. Machin. Évidemment, il faut payer hein, à un moment donné. Ça coûte. Oui, après, il faut que quelqu'un paye, à savoir qui. Quoi. Est-ce que c'est le promoteur? Selon toi, ça serait plutôt au promoteur de faire venir. Les non, teams, ça non. Serait plutôt nation. Motocross des nations, c'est Fédé, c'est Fédé. C'est la Fédé qui doit, tu vois, c'est une course, c'est la Fédé. Quand tu vas, on te demande de mettre un maillot France, marqué France en gros. Tu vois. France, c'est s'il y a des sous pour des billets business class et des hospitalités pour faire manger des mecs qui servent à rien, il y a des ronds pour faire envoyer des caisses de moto, d'accord. Donc là, ça vient un peu la facilité. Bon, après, évidemment, Star qui demande, d'après les rumeurs, 70 000 $ pour faire une course, ça me paraît un peu quand même excessif. Mais bon, après, peut-être qu'ils ont dit ce prix parce qu'ils ne voulaient pas y aller aussi. Peut-être aussi, ouais. Moi, des fois, j'ai demandé, j'ai demandé le double de ce que je voulais parce que je ne voulais pas le faire le job. Et je ne l'ai pas eu. Oui, t'étais pas plus malheureux au final. Voilà. Donc les nations, ils ont quand même un bon truc. Le seul truc, c'est que c'est bien parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Je veux dire, Gauthier, c'est bien gentil, mais dis pourquoi, qui t'a pris quoi. Je veux dire, Deschamps, quand il fait une sélection, il est en conférence de presse et t'as des Mongoliens qui demandent qui demandaient pendant des années et Benzema, il est où hein. Et ils répondaient, d'accord. Là, on te sort une truc. Il y a pas de fin conférence de presse. Tu es à Paris, tu mets des petits fours, du caviar, du champagne, comme ils savent faire. Ils savent très bien faire ça, la Fédé. Et tu fais une conférence de presse avec vous là, tous les peintres des médias français. Des là. Médias. Tu vois. Moto verte, moto rouge, réflexion, pas réflexion, détention, ce que tu veux. Et t'expliques tes choix. T'expliques au lieu qu'il y ait tout le monde qui spécule. Je veux dire, à un moment donné, mets ton petit polo FFM là,
Et dit, voilà. Ouais, c'est vrai. Après, c'est comme tout. C'est dans notre sport, ça s'est jamais fait. C'est juste qu'il faudrait le faire dans notre sport parce que ça s'est jamais fait, alors que dans les autres, c'est de coutume sinon, de le faire. Sinon, c'est même pas envie de payer le champagne et les petits fours. Vous faites un mailing list, une lettre, un communiqué de presse. Voilà. Pourquoi du comment tout simplement. Voilà. Moi, les nations, c'est ça. Après, ils vont gagner en France. Je veux dire, ils ont une très bonne équipe. Je veux dire, qui c'est qui veut battre l'Australie ? L'Australie, quand même. Il y a Ferris. Dean Ferris, troisième pilote. Mais les Lawrence, ils y vont, pour sûr ? Ouais, Lawrence. Enfin, je l'ai lu là tout à l'heure. Donc, normalement, ils y vont, les deux frères Lawrence et Dean Ferris. Donc, ça devrait et qui être c'est qui roule en 125 en 2,5 ? Ah, ça, par contre, j'ai pas lu. Mais moi, pour moi, en tête, j'ai en tête Dean Ferris. Non, mais les communiqués de presse, gros. T'es dans les médias, il faut les lire. Ouais, mais là, c'est tout neuf, là. C'est tout nouveau, tout beau. C'est sorti il y a pas longtemps. J'ai vu que la Belgique, ils envoyaient une équipe de moins de 23 ans. Ça, que des jeunes. Hunter en 250, apparemment. On le voit dans les commentaires. Hein. Hunter en 250. Hunter en 250. Ce qui est logique, non, David? Moi, j'aurais mis Dean Ferris en 2,5, très franchement. Il roule en 4,50 un peu Hunter. Il faut, c'est le 2,5 qui gagne. C'est Justin Cooper qui gagne l'année dernière pour les US. C'est, il fait 4 d'une manche, je ne sais pas combien, non, Justin Cooper 4, je ne me rappelle plus des résultats, mais clairement, c'est souvent le cas, en tout cas en nation. Ouais, mais c'est le 2,5 qui est devant. C'est le 2,5 qui gagne. Il faut toujours mettre. Qui fait rien en 4,50. Il faut toujours mettre le moins bon. Le moins bon, en fait, il faut le mettre. Avec une grosse moto, il faut l'aider à avoir le meilleur résultat, comme ces résultats scratch. Donc, tu mets Ferris en 2,5 contre des 2,5 qui l'auraient pas battu de toute façon. Vaut mieux qu'il roule. C'est pour ça qu'année dernière, je disais que Thomas, qu'il fallait qu'il roule en 2,5 parce qu'ils n'avaient pas de pilote 2,5 à l'époque, les Ricains. Si vous mettez un moins bon, genre un Anderson ou un mec comme ça, un Pessinger, machin, mettez-le en 4,5. Donc, ça va l'aider parce qu'il a la grosse moto. Et mettez une machine de guerre en 2,5. C'est le 2,5, il faut qu'il fasse 6-7 d'une manche. L'autre manche, il peut aller à la buvette, manger des frites grasses avec de la sauce andalouse. on s'en fout de sa deuxième manche. Et les deux autres 4,5, le pilote 2,5 dans la catégorie MX2 Open, s'il fait 4-5-6-7, le 2,5, après cette manche, gros, il peut aller se faire masser et regarder la dernière manche à la télé. C'est même pas la peine qu'il prenne le départ. Tu vois? Il a fait son job. Et après, c'est les deux 4,5 qu'il faut qu'il fasse le leur. Donc, pareil, podium. Tu fais les deux 4,5 font podium de leur manche. Et le 2,5, il fait 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, par là. C'est bon, il a fait le job. Donc, c'est qui fait mieux que ça en 2,5 et vraiment, c'est par 4,50. Donc, tu crois vraiment que Ferris, là, il va faire 5, 6, 7 avec une 2,5 contre tous les 4,5? Non. Alors qu'Hunter, il peut. Tu vois? Ferris en 4,50, par contre, Ferris ne fera pas podium. J'ai aucune idée de son niveau, en fait, à Ferris. Oui, mais Ferris fera un meilleur score avec une 4,5 qu'avec une 2,5 en scratch. Ah oui, effectivement. Donc, c'est bien ce qu'il fait. États-Unis, par contre, ils n'ont pas l'équipe choc. Ouais, États-Unis, oublie, et surtout Ernie, c'est bon, oublie. Compliqué, là. Ouais. Alors, j'espère qu'on va aller voir se batailler pour les avant-postes, mais ça me semble compliqué avec cette équipe. Les Italiens aussi, ils peuvent faire quelque chose. Ils ont Adamo, Ferrato, Guadagnini. Guadagnini aussi, ouais. Bah, tu vois, c'est un coup de cul, un bon départ, tu vois. Un peu trop de limoncello le samedi soir pour les autres, tu vois, ça passe. Hein. Et le sujet Triumph, alors, t'en penses quoi, toi, de cette nouvelle moto? Le Triumph, c'est une KTM à cadre alu, tu vois, avec des suspensions Kayaba. Si tu regardes, il y a tous les composants, même le sélecteur sur la vidéo, sur une photo que j'ai vue, c'est le sélecteur KTM. Triumph, KTM, c'est à 49% une compagnie indienne. Bajaj, qui a 49% de KTM. Et Bajaj, c'est des Indiens qui font des bagnoles et des motos. Bajaj, un partnership avec Triumph pour faire des motos de route, des scramblers, des trucs comme ça, là, des motos un peu en bois d'ébène. Donc, la connexion KTM
avec Triumph et ce Bajaj auto que personne ne connaît, mais qui a 49% de KTM, la connexion est liée, si tu veux. C'est eux qui sont au milieu et qui sont connectés par KTM, si tu veux. Donc, obligatoirement, c'est pas surprenant, on n'a rien vu de la moto. Mais quand tu vois les trucs qu'il y a dessus, même le garde-boirière, on dirait un garde-boirière de KT. D'accord ? J'ai vu que le garde-boirière, mais le garde-boirière, c'est, on dirait une KT, quoi. Une KT noire, et pas la base, elle n'est pas exceptionnelle pour l'instant. Hein, depuis 2-3 ans à la KT, ils ont quand même ils pédalent un peu. Hein. Pour moi, ils sont mal partis, Triumph, parce que moi, même d'un point de vue marketing, bah, je pense qu'ils ont annoncé en même temps que la Starwag. Et pour moi, Starwag a fait tout ce qu'il fallait d'un point de vue marketing, et Triumph a fait tout ce qu'il fallait pas. C'est-à-dire que Starwag, ils se sont mis dans une niche. Triumph, non. Starwag a annoncé quelque chose, il y a eu les précommandes quelques temps après, mais très rapidement après, Triumph, il y a eu un an où on était sans rien connaître, on a eu juste un ou deux ambassadeurs vite fait. Ils refont quelque chose qui est déjà réchauffé, qu'on voit ailleurs, par exemple chez KT, comme tu dis. Donc moi, pour moi, Triumph, ça s'annonce, enfin, j'espère me tromper, mais ça s'annonce pas très bien pour eux, parce que, en tout cas, la stratégie, je sais pas trop d'où elle sort, je sais pas trop pourquoi ils veulent aller là, en fait. Je vois pas l'intérêt. Ouais, mais le problème, c'est pas une histoire de stratégie. Je pense pas qu'ils veulent vendre de motos, ils vont vendre 4 motos. Ouais, mais pourquoi, du coup ? Quel serait l'intérêt ? Ah, Triumph, c'est une marque en routière, c'est une marque un peu prestigieuse haut de gamme. Ah, bien sûr. Tu vois, et du coup, ils veulent se mettre dans un milieu motocross. Quel intérêt ? Je trouve un peu bizarre. Mais... Le trail, peut-être. Faire un parallèle à le trail, mais bon, c'est pas du tout la même niche. C'est bizarre. Tout ça pour gagner. Pour gagner en MotoGP, il faut une moto. Pour gagner en cross, il faut un pilote. Hein ? Donc. Si tu n'as pas le pilote, tu ne vas pas gagner. D'accord ? Donc, Triumph, vraisemblablement, n'auront pas les pilotes pour gagner. Les pilotes pour gagner, ils sont pris. Donc, ils vont avoir Evan Ferry, Jalex Wall, qu'un coup, il fait 3, un coup, il fait 18. Donc, je veux dire, ça ne va pas faire. Ils ont une moto, le cadre à géométrie, on ne sait pas ce qu'il va faire. Tu ne peux pas prendre un cadre en acier et faire la géométrie la même en alu et faire une... Donc, obligatoirement, le cadre et la géométrie va être un peu différente du cadre acier. Mais après, il commence par la 2,5. La 2,5, c'est une catégorie de moteur. Il faut un moteur, quoi. Et la base, pas exceptionnelle. Ils n'ont pas montré qu'ils avaient un truc super top. Puis on verra bien. Après, le marketing, qu'est-ce qu'on s'en fout un peu. Il laisse planer un peu le doute. C'est un marché pour Stark, tu vois. Là, ils sont en train de cartonner au niveau des ventes, alors que c'est ce qui a justement pas marché pour les marques comme Cannondale auparavant, pour ces marques-là qui sont des marques quand même dans leur domaine d'activité assez prestigieuses. Mais pour des marques comme ça, ça a flambé. Oui, mais Ducati okay. Même. Ok pour le marketing, mais après il faut que derrière ça suive. Si Starwag est au bout de de 3 tours, il faut que tu mettes 3 jours à charger la batterie. À mon avis, tu peux faire tout le marketing qu'il faut. Ils vont ouais. Prendre les gens pour des cons une fois. Ouais, mais non. Ça, si tu veux, c'est donc, un autre. C'est ce qui vient si, après, si tu veux. Ils ont oui, construit les bases, quoi. Tu vois, des bases. Ouais, mais si le produit. Non, mais les bases. La base, c'est marketing. Et après, c'est produit. Si le produit, il faut qu'il suive. Ah ouais, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Donc, mais la base Triumph, ce que je veux dire par là, c'est que la base Triumph. Ouais, mais c'est pas leur truc. Le marché, il est saturé. Tu crois qu'ils vont vendre des motos, Triumph ? C'est un truc, c'est juste pour l'image qu'ils font ça. C'est pas pour vendre des motos. Ils s'en battent les couilles des motos. Hein. L'analyse de Geoffrey est pas mal. C'est de rajeunir leur image. Et pour ce qui est de l'innovation, les exemples de Cannondale et Aprilia ont montré que c'était un risque. Et ouais, c'est ça, quoi. Oui, mais c'est que du. Tu te rends compte comme c'est saturé ? Tu as toutes les japonaises et tu as les trois. Du groupe KTM. C'est saturé. C'est comme si demain tu vas aller monter une compagnie de basket toi, de chaussures de chaussures de ouais. Sport. Non, tu vas faire une compagnie de t-shirts. Non, tu vas faire une voiture électrique. Non, saturé.
Parce que là, développer une marque de cross, enfin une moto de cross de A à Z, je pense que même d'un point de vue entreprise comme Triumph qui a des fonds, ça doit quand même creuser un petit budget quand même. Non, mais là, c'est pas de A à Z, gros. Ils ont fait un cadre. Tout ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont développé quand même. Ils ont dû développer un minimum. Tu crois vraiment qu'ils ont récupéré, qu'ils ont racheté les brevets complets de KT ? Que KT non, a mais revendu si le mec... Les brevets, c'est à moitié à cette compagnie indienne. Ils ont 49% du truc. Renseigne-toi. Ils ont 49% de la compagnie. Ils ont injecté des fonds. Ils ont 49%. Le Pireur, le boss, là, le Pireur Mobility, n'a que 51% de KTM. Donc, cette compagnie indienne-là, compagnie indienne, a un partnership avec Triumph. Écoute, si ces Indiens-là, ils ont 50% de KTM et que ils sont mariés avec Triumph pour faire des motos scrambler de route pour le marché asiatique, t'inquiète. Envoie des moteurs, on les met dedans, c'est fini. Le moteur, ça va être un moteur 4T. Hein, il ne va pas avoir grand-chose de différent. Hein, ça, c'est clair. Peut-être que les caches, les machins, tout. Mais le truc, ça va être un moule bif 4T quand tu vois les trucs. Donc, ce qu'ils ont fait, le développement, c'est cadre. Cadre brossien, peut-être. Biellette, géométrie, simplement. Le guidon, c'est un pro-taper. L'été, ils vont prendre des X-Trig ou des trucs comme ça. Les suspensions, c'est des Kayaba. Les freins, c'est des Brembo. Tu comprends? Et il récupère après. Ouais. L'accélérateur, c'est du Magura. Donc, tout est sous-traité, là. Le truc, ouais. Ce qu'ils ont développé, c'est le cadre. Et c'est pour ça qu'ils ont montré ça en premier. Ils sont fiers de leur truc, tu vois. Ils ne vont pas te montrer un moteur, que c'est un moteur KTM avec des caches différentes, quoi. Des carters différents. Bon, moralité, elle aurait été bleue, David, tu l'aurais acheté, mais tu l'aurais précommandé, mais vu qu'elle est noire, t'en veux pas, quoi. C'est ça. Non, mais t'es fou. J'achète d'occasion et ce qui est pas cher. Je m'en fous, moi, de la marque. Je suis pas marié avec Yam, moi. Tout le monde croit que je suis marié avec Yam. Mais moi, Yam, ouais. Quand je refais des motos, je paye. Hein. Je vais sur motosport.com, je paye mes pièces. Et j'ai rien, moi. C'est vrai, dans toutes tes restaurations, c'est vrai que t'as fait ça. T'as fait ça comme tout le monde le fait dans son garage, quoi. Voilà, je paye, voilà. J'ai rien, moi. Tout le monde croit que je suis marié avec Yam et tout. Moi, je te dis que la moto Atomac, c'est un saucisson, elle est réglée le plus mal possible. Je ne prends rien de chez Yam. Ça, c'est mon avis personnel. Le truc, quand je te dis quelque chose, s'il y a bien un mec qui n'a aucun lien avec aucune compagnie dans cette industrie, c'est bien moi. Hein. Après, si vous voulez écouter Carmichael, qui a la main de partout, chez Fox, chez Triumph, chez Monster, les mecs, ils sont de partout. Tu, évidemment, maintenant, tu vas croire ce que dit Villopoto, il est payé par Yam, alors qu'il a fait toute sa carrière chez KT. C'est fou, ça, quand même. Chez Kawa, ouais. Chez Kawa, je veux dire. Donc, tu comprends ? Ils sont pas crédibles, les mecs. Tu vois ? Il vaut mieux quand même écouter un mec qui n'a aucun intérêt nulle part. Pour ça, tu vois. Donc, après, next sujet, c'était quoi ? On a fait Nation, Triumph, c'est quoi ? La Star Varg. Il y avait motocross féminin, ça se passe comment aux États-Unis ? On a eu plusieurs fois la question. Là, tu me demandes l'impossible. Là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais que je vois passer... France, c'est ce que c'est un peu ce que ça veut dire, quoi. C'est peut-être pas pro, hyper médiatisé. Ouais, en pro, je sais pas comment ça se passe. J'en ai pas vu. Mais il y a quand même, il y a deux catégories à Loretta Lynn d'amateur et c'est plein, hein. Donc ça, il y a, mais en catégorie pro, il y a, je peux pas te dire s'il y a un championnat ou pas. Ouais, ça a été un petit peu le déclin ces dernières années. Du coup, le dernier sujet, c'était restauration vintage, on en a un petit peu parlé. T'as un projet en cours à venir? Non, pas de projet. J'ai fait cette Honda CR250 de 1990, un peu à la JMB, là, sa première moto. Là. C'était bien cool. C'est bien, c'est thérapeutique, en fait, si tu veux, que de faire ça. T'aimes bien, toi, tu prends du plaisir à restaurer une moto? Ouais, bon, c'est vrai que des fois, ça te fait mal à la tête. Parce que, tu vois, par exemple, sur une des motos, j'ai fait une 99, la première génération Quadralu Honda, là.
Et en fait, il manquait. Qu'est-ce qu'il manquait? Un écrou, un axe de biellette. Il manquait un axe de biellette. L'axe de biellette, impossible à trouver. eBay, machin, truc. Pièce Honda, 00. Et j'ai fait une alerte sur eBay, tu vois. Si tu peux faire une alerte avec la référence. Pour ceux qui refont un peu des motos, qui cherchent des pièces et tout, eBay, si vous voulez des. eBay US, mais des fois les mecs envoient un peu de partout dans le monde. Tu mets la référence de la référence de la pièce, quoi, dans la barre de recherche, et ça sort. Il y en a plein des pièces. Tu trouves plein de trucs d'occasion pourris. Et en fait, j'ai fait ça. Et pareil pour les ailettes de radiateur de la CR2,5-95. Moi, je les ai jetées. Ouais, elles étaient pitées, blanches et tout. J'ai jeté ça, quoi. J'ai dit, c'est bon, je mettrai, j'achète, elles sont pourries. Tu peux les restaurer avec un décapeur thermique, ça revient un peu plus brillant, machin. Et après, j'ai dit, ben, Honda, il n'y en a plus. Adaptable, UFO, tout ça, ils n'en font plus. Il a fallu que je les fasse faire 3D, avec imprimante 3D, tellement que c'était introuvable. Il y en avait des mecs, ils les vendaient 500$ sur eBay, comment ils savaient que c'était introuvable. Donc, j'ai fait pareil pour l'axe de biellette de cette Honda. J'ai fait une alerte sur eBay et dès que cette référence, il y a un mec qui upload et ça t'envoie un email. Et hop, genre 3 semaines après, je l'ai acheté direct. J'ai dit, envoie-moi le. Et il y a des pièces comme ça qu'il faut faire gaffe. Mais la plupart du temps, c'est du plaisir, tu vois. Donc, le plaisir, c'est quand tout est fait. Tout est fait, tout est préparé et prêt à remonter, si tu veux. C'est ça où tu prends du plaisir. Donc, le cadre, tu le fais à la main. Moi, je le fais à la main si c'est un alu et je l'envoie faire la peinture époxy. On appelle ça ici, au four, là. Ouais. Je ne sais pas comment on appelle ça en France. Thermolacage. C'est ça ? Thermolacage. Ouais, peut-être. C'est ça, la peinture au fond, je crois que c'est ça. Ouais. Donc, et là, tu reçois, donc tu as préparé toutes tes pièces, tu as fait du vapor blasting, tu as fait du scotch bright avec du monsieur propre, et après, tu as fait des pièces à l'acide aussi, des pièces en alu, et tu as tout fait, tu as tout mis par terre, tu as reçu ton kit de boulon tout neuf, tu sais, nickel. Et là, tu commences à tout monter là. Et après, c'est chaud parce que tu vois, j'ai fait la moto à Marvin, à 125 là. Il a une 125, il voulait faire le cadre. Elle vient avec cadre noir, il voulait faire le cadre orange comme sa moto d'usine. Tu sais. Je l'ai aidé, j'ai dit c'est bon, on le fait vite fait là. Oh putain, tu parles pas le merdier pour faire ça. Parce qu'avec démarreur électrique, injection et compagnie, c'est plus pareil. Tu as 800 millions de fils, c'est la folie. Et après, moi, comme je suis un mec, je le fais à l'ancienne, je démonte tout. Et quand il faut remonter, ben, t'as pas pris de photos, rien, c'est où ça passe ce câble, où il passe pas. Et bon, travailler sur une autrichienne, c'est un peu différent qu'une japonaise aussi. J'avais jamais démonté une moto autrichienne. Je te dis pas, c'était. Avec Marvin, qu'est-ce qu'on a rigolé, tu sais, il va où ce truc, on avait pris 2-3 photos quand même, mais c'est la folie là en 90, si tu veux, t'as une cosse CDI, t'as une cosse de la bobine, t'as l'antiparasite, t'as la terre qui va là, la cosse Stator CDI, il n'y a plus rien sur la moto. Mais là, maintenant, de nos jours, j'ai dit, putain, mais les mecs, ils ont le moral pour bosser sur les motos avec autant de... C'est la folie. C'est la folie. Enfin, bref. Donc, ouais, c'est thérapeutique et c'est super. Juste un peu en de vintage, il y a Damien qui dit qu'il a ta moto de Butt Creeks de 99 et ton Mercedes 508. Oh là, putain. Donc, là, c'est collector. Je pense que le Mercedes, c'est encore plus. J'ai une anecdote à la moto de Butt Creeks. Et ce qui peut te dire aussi, ça a 24 ans l'anecdote,
Mais ça peut aussi mettre un peu de refléter ce qui se passe aujourd'hui en termes de matériel, etc. La finale du championnat du monde 2,5 en 99, elle est à Butts Creek. Moi, j'ai déjà signé mon contrat IAM pour rouler aux US en 2000. À ce moment-là, je sais que je vais aller aux US. J'ai déjà testé un SX et tout. Donc, je connais les mecs du team. IAM envoie le semi-IAM à Butts Creek pour nous, les pilotes européens. Donc, je pense qu'il y a Michael Maschio avec moi dans le camion, et peut-être Bellometti à l'époque. Bref. Et comme moi, je suis virtuellement pilote IAM US à ce moment-là, parce que j'ai déjà signé, mon contrat n'a pas commencé, mais je l'ai signé, ils nous disent, c'est pas la peine que vous envoyez deux motos en caisse, envoyez qu'une moto, et nous, on amène une moto pour la deuxième moto, quoi, pour passer au contrôle. Tu vois, et ils nous disent, c'est la moto de John Dowd à l'époque. On amène la moto de John Dowd et on met la déco Yamaha France dessus. Comme ça, tu as une deuxième moto au cas où. J'arrive, je fais le premier essai le samedi, essai libre. À l'époque, c'était deux essais libres, un essai chrono samedi, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Il n'y avait pas de course samedi à notre époque. Première, putain, la moto, ma moto européenne, c'est labourée, arrosée à foison comme ils font ici, mais nous on n'a pas l'habitude de ça. La moto elle avançait pas. J'ai dit putain, il faut que je change les rapports. Quand je passe à la 3, la moto elle se couchait, tu vois. Il y avait mon père, donc il y avait Rodo, mon mécano, il y avait Olivier Chalin aussi qui était là. J'avais deux mécanos, mon père, moi. Et je leur dis putain les gars, la moto, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut changer les rapports ou quoi. La moto, elle se couche, elle ne reprend pas entre les vitesses parce que ça pompe tellement les chevaux, c'est la folie. Et donc, en fait, tu as Keith McCarthy qui est maintenant à la retraite, qui était avant responsable de la compétition chez IAM et à ce moment-là, qui était team manager du team Cross Supercross. Et il dit, pourquoi tu n'essayes pas notre moto? Tu vois, parce qu'elle est peut-être plus adaptée aux conditions américaines. Essaye la moto. Et mon père, il dit suspension de Dowd, de tout. Pour pro-circuit, si c'est en ce pro-circuit. Là, vraiment, la US 99, donc leur base. Le pro-taper, je ne sais même pas si. On a dit maintenant, j'avais un guidon au Chiro, moi, à l'époque, peut-être qu'on a dû changer les guidons. Tu vois, mettre le guidon, je crois qu'on avait déjà fait ça. Mais c'était leur moto à 100%. Fais la précharge. Et en fait, on discutait avec mon père, je dis, c'est la dernière course des championnats sans moi. On joue que la troisième passe face à Ryan Hughes. Devant, c'est Bolle Bayer. On peut pas aller, il n'y a rien vraiment à perdre. On est là juste pour remplir la grille de toute façon. Et deuxième essai, on essaye la moto. Voilà, enculé. Un truc. Non, mais t'es déjà... Et le problème, ce qui était dur, c'est que j'avais pas de première, moi, sur ma moto. Donc, si tu veux, quand j'avais le réflexe de trop descendre, même à ce niveau-là, hein, de descendre trop de vitesse, et je n'aimais pas compter les vitesses. Donc, j'aimais bien tout descendre, et tout descendre et basta, quoi. Et je savais que quand je descendais, mon père, il m'avait changé le barillet et tout ça, c'était que quand je mettais la première, en fait, j'étais en deux. Tu n'avais pas de poids mort, du coup. Mais oui, il y avait le poids mort. Première en bas. Ah oui, d'accord. Okay. En bas, je vois ce que c'est la 2. Tu virais juste le pignon de première. Ouais. En bas, c'était la 2. La 2, du coup. Mmh. Donc, le premier était entre la 2 et la 3, si tu veux. Ah ouais, ok. Mais sur la moto US, il y avait la première. Tu vois. Oh putain, j'ai dit putain, là, ça va me changer grave. Quoi, tu vois. Et donc, j'ai fait toute l'année à descendre à bloc, et mettre tout en bas parce que. Parce que j'avais le réflexe ou le comment on dit quand le défaut de descendre, de virer en première. Donc dans les virages à gauche, quand tu descends tout en première et que tu sors la jambe et que tu es en première alors qu'il faut que tu aies en deux, ben c'est l'enfer parce que tu peux pas ramener ta jambe pour passer la deux. Tu fais gueuler. Donc
Et donc, j'ai roulé avec ça. Je roule avec cette moto. Alors, j'ai fait deux tours, je m'arrête. J'ai dit, oh, la moto, c'est une usine à gaz. C'est la folie. C'est, je roule avec ça ce week-end. Il y a juste deux trucs à faire. Les suspensions, un peu, les suspensions étaient bien. Il fallait juste changer deux, trois trucs, faire deux, trois clics. Suspension, top. Et le moteur, non mais, j'ai jamais vu ça. Et là, je veux dire, là, entre les vitesses, ça ne tombait plus. Une usine à gaz. Elle faisait un bruit, la moto. Le sonomètre, il n'y avait pas de sonomètre à l'époque. Aux US. T'sais. Donc les motos elles faisaient un vacarme de folie. Et finalement, j'ai fait le Grand Prix avec ça. Et deuxièmement, je crois que je fais 20 minutes en tête. Et je n'ai pas eu un gros coup de pompe. Je dois faire 3 de la manche. Je crois que c'est Albertine et Evert qui me passent dans les 10 dernières minutes. Et j'ai fait une course de folie, quoi. Et j'étais parti en tête et tout, alors que je ne partais pas souvent en tête. Voilà. Et ça te dit que la différence entre moto européenne et moto US, ça, même s'il y a 20 ans, il y a toujours quand même cette différence. Parce que la texture de la terre, on ne peut pas rouler avec des motos aussi agressives. Ils ont moins de, peut-être de restrictions, son, et puis au niveau. Essence aussi maintenant. Hein? Essence aussi maintenant aussi. Ouais, bon, il y a l'essence, ça change pas vraiment trop, mais c'est surtout la texture de la terre. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des motos souples, qui linéaires, qui ont de l'adhérence aux US parce que ça n'existe pas les circuits, c'est labouré. Et nous, ma moto, j'ai gagné des grands prix en Europe avec ma moto sur du béton. J'ai gagné une manche au Luxembourg, c'était béton armé, Saint-Jean. Et tu la mets sur un terrain US, la moto c'est un saucisson quoi. Alors qu'elle gagnait, elle gagnait en Europe sans problème. Et alors que c'était tellement mauvais là-bas en conditions US qu'il a fallu rouler avec la moto américaine. Voilà. Bon, ben après, on va parler de toutes ces motos usines. Il va falloir qu'on se quitte parce que je vais devoir bosser sur ma moto usine Sherco 300 de temps pour monter des pneus pour le Kenny Festival ce week-end. Quoi, c'est Jordan Turval qui s'est affilé ou quoi? Non, pas du tout. C'est, ça sort de chez le concessionnaire DSN Moto. Ah, tu achètes tes motos, toi? Non, mais je crois que tu as acheté. On a des facilités. Des facilités de paiement ou quoi? Non. Des franchements, on a des facilités pour pouvoir essayer beaucoup de motos, donc c'est cool. On a souvent des motos fun dans le garage. C'est une des chances qu'on a avec Amix Réflexion. Et là, en ce moment, c'est une Sherco, figure-toi. Et je fais de l'extrême avec. Alors, on a eu des questions sur Instagram. Qu'est-ce que tu penses de l'enduro extrême? Mais bon, on n'a pas osé te les poser, tu vois. Enduro extrême, la folie, hein. Quand tu vois le. Et c'est fou parce que c'est une discipline qui est devenue cool, je trouve, avec des mecs comme Johnny Walker ou des gars comme ça qui ont du style au final, qui ont vraiment beaucoup de style. Ah, quand tu vois l'Herzberg, là, tu vois les mecs, c'est des machines de guerre. Hein. On les voit quand on va au terrain KT, en fait, au terrain de Supercross KT, tu as deux terrains de SX et au fond, tu as un truc de Endurocross, tu sais. Tu fais ça là-bas. Ouais, tu as un circuit d'Endurocross avec les rondins, les trucs, les trucs ronds là, en béton là. Ouais, les buses. Les buses, voilà. Les buses, les pneus, les pierriers et tout. Oh, les mecs. Et il y avait l'autre, le Blasusiak, comment on dit Blasusiak. Ah oui, ouais, t'as dit ouais. Blasusiak, ouais. Ouais, des fois, ils roulent là. Moi, je regarde vite fait. Ouais, ils sont bouillants, les mecs. Hein. Ils sont bons. Ouais, hein. Ils sont forts dans leur discipline. Ouais, c'est la folie. C'est un monde. Enfin, c'est des motos de cross qui ressemblent à nos motos à nous, tu vois. C'est pas le même sport. C'est comparé. C'est du trial avec une moto qui est pas faite pour ça. C'est comparé du hand et du basket, quoi. C'est un autre sport. Hein. C'est la folie. Hein. Ouais. C'est ça. Et Damien nous demande comment il peut t'envoyer les photos de sa moto restaurée. Voilà. Ça lui tague, plaisir. Tu vas te taguer. Encore un qui va te taguer. Tu peux me taguer. Tu peux me taguer sur Instagram, c'est le plus facile. Hein. DV934, les gars. Ou si tu mets un. Parce que je reçois quand même pas mal de notifications. Mais si tu me tagues dans un commentaire, je vais voir le post. Quoi. Je verrai bien. Voilà, Damien, si tu veux montrer tes photos. Parce que le problème de m'envoyer par Instagram,
c'est ça va dans les messages filtrés là. Mmh. Tu les vois pas du coup. Donc après, il faut y aller, il faut aller sur All Requests, regarder qui c'est qui t'a envoyé, accepter, pas accepter. Donc c'est un peu bon. Que si tu tags, c'est mieux parce qu'il y a la notification, c'est plus facile à voir. Voilà. Allez, parfait. Bon, merci beaucoup, David. C'était cool, comme d'habitude. D'habitude, les lives durent une heure, mais avec toi, on a du mal à tenir le créneau. Je parle trop, c'est pour ça. Non, pas du tout. Mais non, il comme ça, il y a plus que les autres. Ouais, après, on avait pas mal de sujets, c'est vrai. Je raconte que des conneries, c'est pour ça. En tout cas, bon voyage avec le Condor. Condor Airlines. Oui, quand tu viens. On prendra de tes nouvelles quand même. Nous aussi, on te taguera sur Instagram pour voir si t'es bien arrivé. Ah, il me dit, il n'a pas Insta, là, notre ami Damien. Ben, c'est la même sur Facebook. Hein. C'est bon, t'as Facebook. Facebook. Voilà. Ou sinon, tu nous contactes. Envoie-les à nous et on fera passer à d'autres. Ah ouais, il y a des questions encore de... Il fait quoi, Dylan, l'année prochaine? Je vois ça vite fait, là, parce que j'ai vu ça. Vas-y. Après, Dylan, est-ce que tu sais ce qu'il va faire l'année prochaine? Ah non, mais ça, je ne sais pas du tout. Tu ne sais pas le guidon qu'il va avoir? Non, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Après... il y a le team à Roxane, Triomphe, HEP, Triomphe, ben c'est une année sans quoi, parce qu'il a 4,5 l'année d'après, donc peut-être une année de sabbatique pour faire du testing avec Triomphe. Il habite dans la ville de Carmichael s'occupe de Triomphe, donc ils sont proches, ils font du vélo ensemble. Je sais qu'il faisait du vélo ensemble quand je l'entraînais. Donc, peut-être qu'il y a une connexion là. Pourquoi ? Ben, peut-être une année sabbatique, revenir après. Ou team HEP, j'en sais rien. Alors, en fait, là, je sais pas trop. Mm. Ben, évidemment, comme tout le monde. Hein. Ça marche. Bon, ben, bonne journée. Bonjour à Marvin et à Mathilde et à leur petite fille, si tu manges avec eux tout à l'heure. C'est ce que tu nous disais en off. Donc, Ouais, dans une heure, on va bouffer à midi. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On s'envoie des conneries sur Instagram tous les jours. Tu vois, des mecs qui se ruinent, des mecs qui font des tricks de ping-pong, des conneries, quoi. Des trucs, tu vois, et on s'envoie que des trucs. Donc, c'est envoi de story ou de reels de conneries, quoi. Le retour, c'est souvent un emoji, tu vois. Donc, c'est retour emoji, et après, c'est un qui envoie, qui partage un truc Instagram. Et c'est emoji de l'autre. Tu vois, c'est un peu comme ça. C'est en code. C'est le morse des temps modernes. Et ça faisait un moment que je n'ai pas vu depuis 3 mois, le mec. Peut-être il y a 3 mois. Donc, il a failli te louper parce que tu pars en France en plus. Ouais, mais bon, ça va, je vais revenir. Mais donc en fait, on va se capter à midi, là, vite fait. Ça, je vais avoir des news bien fraîches. Et des bien consistantes. Et tout. Il connaît tout, lui. Il sait tout. Les oreilles. Lui, il y va sur les courses. Il ne fait pas le feignant sur le canapé. C'est pour ça. Il va sur les courses. Et en plus, il connaît tous les potins. Et c'est juste dur à lui faire sortir, c'est des fois. tu vas y arriver. Une heure ou deux de repas. Il va l'air du nez, là, vite fait, pour savoir un peu les trucs croustillants. Voilà. Bon, merci beaucoup, David. Et à une prochaine fois, et on te verra au Supercross de Paris, du coup, avec grand plaisir. Ça va, et on va faire une petite interview tranquille à l'ancienne. Parce que ça fait vraiment qu'on te doit un repas aussi, donc on va essayer de se trouver un petit resto quand même. Ah ouais, vous payez à bouffer, les gars? Putain, mais. Par contre, on va trouver nous le resto, par contre. Oui, parce qu'à Paris, ça peut. Bon. Un petit étoilé, là. Oui. Tu vois, il y aura Chipotle sur l'arche de la défense. Ah, moi, ça me va. Il y a Five Guys aussi, là, en moi. Ouais, aussi. Voilà. C'est fini le vegan. Donc, on ira manger de la viande. Ça roule. Allez. Bonne soirée, bonne journée. Salut, les gars. Salut, à bientôt.